Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bonsoir les géologiques. Il est 21h pétante parce qu'on a l'habitude d'être très très précis et on est tous très très heureux de vous accueillir pour un nouveau live, pour une nouvelle soirée très 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 riche. Alors un petit mot quand même, vous pouvez noter là, non, et qu'il y a un petit drapeau ukrainien sur notre écran par simple soutien avec ce peuple qui est en train de vivre des heures absolument dramatiques. Et on pense beaucoup à eux. Je vais envoyer très très vite le sommaire, mon chéri, parce qu'il y a de la taille ce soir, il y a de la richesse. Alors jingle, sommaire, on y va. Donc un sommaire très 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 riche ce soir, mais qui va quand même nous laisser le temps de bien appréhender les choses, de bien en faire le tour et de les faire consciencieusement et avec intelligence, comme vous pouvez le voir. Je vous rappelle quand même que vous pouvez à tout moment intervenir. Vous avez le chat, vous savez comment ça marche, vous êtes des habitués. Donc, vous avez juste à faire vos petits commentaires, éventuellement poser vos questions, n'hésitez surtout pas. On commencera la première heure, les trois premiers quarts d'heure, avec un invité qui s'appelle Jean-François Ritz, qui va venir nous parler, c'est la séquence géo-actualité, qui va venir nous parler de paléosismologie, globalement. L'étude des phénomènes sismiques sur un temps très très long et très très loin. Donc, on va en parler ce soir avec Jean-François et qui s'entretiendra avec Yves de ce sujet. Jean-François, le voilà, il est ici. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. En forme? Super bien. Oui, ça va. On va apprendre beaucoup de choses. Moi, déjà, je vous le rappelle, le candide complet de l'émission, le Béotien. Donc, vous allez m'expliquer pourquoi Monsieur Cro-Magnon avait un sismographe, enfin des choses comme ça, parce que j'ai pas tout compris encore. Donc, on va voir tout ça. À tout à l'heure, Jean-François. Fabrice nous rejoindra. Il est où, Fabrice? Mon Fabrice, mon cher Fabrice, il est arrivé. Salut. Fabrice va nous rejoindre. Salut, mon petit Fabrice. Tu nous rejoindras donc pour la deuxième partie de cette soirée avec la rubrique Géosite. Et ce soir, nous allons dans le Massif central, dans l'Auvergne, dans les monts du Sancy et dans un côté, très oui. joli lac du côté de Superbès, hein, je crois. C'est ça, le lac Pavin. Voilà. Richesse géologique, tu vas nous en parler parce que je rappelle à tout le monde que tu es un homme qui aime aller au terrain et regarder les choses sur place, les étudier, les sonder, les chercher, etc. etc., etc. À tout à l'heure, Fabrice. À tout à l'heure, avec grand plaisir. Géominéral, nous retrouverons un autre habitué, notre cher Thierry, le spécialiste des cailloux de cette émission, qui va ce Bonsoir. soir. Bonsoir, bonsoir Thierry. Ça va bien? Mon Ça manche caillou. Ce soir, Thierry, on va évoquer un minéral très joli. Tu nous as apporté des très belles photos. Là, je vous engage à rester pour voir tout ça. Vous allez voir, photo magnifique, minéral qui s'appelle la stibine. Ah, la stibine, Tu vas un nous expliquer. minéral assez commun finalement, mais un peu piégeux. Un peu piège. Tu vas nous expliquer tout ça sera avec Oui. grand plaisir. Et puis, on terminera la soirée avec une rubrique Géo-Histoire. Et là, c'est mon cher Yves qui était aux manettes et qui nous rejoint et qui viendra à nouveau pour parler histoire. On échangera tous les deux sur un dîner. Est-ce que c'était un dîner de... J'ai pas l'impression que c'était un dîner de cons, en tout cas. Ça, ça, ils n'avaient pas l'air dans cette. Non, non. Donc, on parlera d'iguanodon, donc vous imaginez bien qu'il y a des rapports déjà avec des gros reptiles et des choses comme ça. N'est-ce pas, Yves? Oui, tout à fait. Bonsoir les géologiques. Heureux de vous retrouver. Je dis bonsoir à Clarita et puis à Aswin. Bienvenue à vous. Vous avez toujours donc le chat à votre disposition pour poser des questions, pour faire tous vos commentaires. N'hésitez pas, on est là. Et puis, ben, on va envoyer directement, puisqu'il y a du boulot, il y a de la taille et il y a du temps à passer. On envoie tout de suite la séance Géo-Actualité. Bonsoir Jean-François. Alors, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, laboratoire géosciences de Montpellier. Et vous êtes, allez, je vais dire l'un des experts, mais je peux dire l'expert de paléosismologie, donc l'étude des séismes
anciens, du quaternaire et au niveau continental. Et vous venez de publier un article dans le journal de l'Académie des sciences avec une trentaine d'autres scientifiques. Et vous avez dit en 2016, lors d'une conférence, que l'étude des séismes passés du quaternaire est une approche essentielle pour prévoir les tremblements de terre futurs de façon statistique. Alors, vous allez nous présenter l'historique de cette nouvelle science, ses objectifs, ses méthodes et ses résultats, ceci à partir d'exemples. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais présenter ce qu'est un tremblement de terre. Et on va partir de la base, puisqu'on va partir d'un manuel de collège, de quatrième, où on étudie la géologie et on étudie notamment les séismes. Alors, séisme ici. Voilà. Voilà. Je vais agrandir. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me corriger. Alors, un séisme, bah, tout le monde sait ce que c'est, l'a peut-être ressenti déjà. Moi, je l'ai ressenti une fois à l'âge de 13 ans. Voilà, moi, mon enfance s'est déroulée dans le massif armoricain, au sud du massif armoricain. Voilà, et j'ai ressenti une vibration avec les vitres de ma bibliothèque qui étaient en train de vibrer. Ça fait vraiment un drôle d'effet. Voilà, donc on ressent des vibrations. D'où viennent ces vibrations? Ben, elles viennent de l'arrivée d'ondes sismiques, ondes sismiques provoquées par la rupture de roches au niveau d'un point qu'on appelle un foyer. Et ceci étant lié à des contraintes, le plus souvent, hein, à des contraintes tectoniques. Les roches accumulent de l'énergie, se déforment, et à un moment donné, rupture des roches qui libèrent l'énergie sous forme d'ondes sismiques, et on a déplacement des blocs de chaque côté de la rupture, rupture cassure qu'on appelle une faille. Alors on enregistre en surface ces vibrations à l'aide d'un sismomètre, et puis là vous avez ce que l'on enregistre, c'est-à-dire des sismogrammes. Et on arrive à mesurer l'intensité d'un séisme par sa magnitude, notamment. Voilà, magnitude qui dépend, et là je vais faire intervenir, et je vais diminuer ici. Voilà. 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 Alors, cette présentation, Jean-François, qu'est-ce que vous en pensez, et par rapport à cette notion de magnitude. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce qu'on va en reparler lors de notre échange. Non, mais l'introduction était parfaite, Yves. C'est très bien. On peut tout de suite préciser les choses par rapport au bloc diagramme que vous avez présenté. C'est que il n'y a pas toujours rupture du sol. La rupture ne monte pas toujours à la surface, hein, à partir de la faille. Et donc, deux points importants. La rupture se fait sur une faille en général préexistante, une espèce de plan de faiblesse. D'accord. C'est assez rare qu'il y ait des ruptures qu'on qualifie de néo-formées. Ça arrive notamment dans des contextes extensifs. Alors, c'est typiquement, les flèches seraient dans l'autre sens de votre bloc diagramme. D'accord. Au milieu, au fond des océans, l'extension océanique, il y a des nouvelles ruptures qui se forment. Mais la plupart du temps, pour les auditeurs, un séisme, c'est un plan de faille préexistant sur lequel donc, il y a un mouvement soudain, j'insiste sur le mot soudain, ouais. Déplacement soudain, c'est ça le séisme, et ce déplacement soudain qui libère des ondes, comme vous avez dit, ces ondes qui vont faire vibrer la surface du sol, d'où le terme de tremblement de terre. Donc, à partir D'accord. de magnitude 6, on peut dire sur le tableau, à partir en fait de magnitude 5, hein, entre 5 et 6, il peut y avoir une rupture jusqu'à la surface. Sinon, ouais. En général, on est en dessous de magnitude 5. Alors, quand je partagerai mon écran, je pourrais illustrer ça. Quand on est au-dessous de magnitude 5, du fait de la... Vous voyez qu'il y a une relation dans la dimension là, des choses. Si on peut remettre voilà,
l'équation de ce qu'on appelle la magnitude du moment, ça s'appelle MW, le moment étant, en fait, vous le voyez dans l'accolade, le produit assez simple des grandeurs physiques hein, de la faille, c'est-à-dire sa longueur, grand L, sa petite L, sa largeur, et D, c'est le déplacement. Et vous multipliez ça par un coefficient, une constante, qui est le module de cisaillement, la lettre mu. Et ça, c'est le moment. Le moment, c'est l'énergie à peu près. C'est, on le donne en newton mètre. Et la magnitude, c'est une relation de logarithmique à cette énergie. Hein, c'est 2/3 du logarithme du moment moins une constante. Voilà. D'accord. Mais ce qui est intéressant dans cette magnitude, cette formule de cette magnitude, c'est que vous voyez qu'on peut mettre en relation les dimensions de la rupture, à savoir notamment sa longueur et le déplacement, et la grandeur de la magnitude. Vous voyez, typiquement, magnitude 9, c'est une longueur de 1000 km pour un déplacement de l'ordre de 15 mètres. Là, c'est le séisme de Tohoku. Tout à fait. Et je rajouterai quelque chose, c'est que le foyer sismique est en général, vous me corrigerez, à une profondeur d'à peu près 10 km, ce qui explique qu'au niveau magnitude 6, si la longueur 6, ça fait 10 km, donc effectivement, ça peut atteindre la surface. Voilà, absolument. Après, il y a des séismes qui se produisent moins profonds, hein, on en parle. D'accord. Le séisme, le dernier séisme en France, le séisme du Teil, près de Montélimar, qui a eu lieu le 11 novembre 2019 et qui a eu un foyer extrêmement superficiel, moins de 2 km, et bien qu'il ne fasse que 4,9 sur l'échelle du moment sismique, il a cassé la surface. Hein. C'est quelque chose de tout à fait inédit, c'est la première fois qu'on voit ça en France. D'accord, d'accord. Alors, c'est une science qui est jeune, puisqu'elle a à peu près une trentaine d'années. C'est parti d'où cette recherche de séismes anciens? C'est parti. Alors, la paléosismologie, au sens, on va dire, moderne du terme, effectivement, elle est née aux États-Unis il y a une trentaine d'années. Enfin, au milieu des années 80, les premières publications avec un gars qui s'appelait Kérissi. Mais les géologues avaient commencé à comprendre la relation faille-rupture ou faille-tremblement de terre dès le début du XXe siècle. D'accord. Et notamment Harry Fielding Reid, après le séisme de San Francisco en 1906, qui met à jour très clairement cette relation séisme égale faille, faille qui peut casser la surface. Alors, c'est à partir de là qu'on commence à comprendre que, eh ben, en regardant la morphologie, en regardant les paysages, on peut peut-être remonter au séisme ancien. Mais il va falloir à peu près un siècle pour vraiment développer cette approche en termes de science avec des outils modernes, hein, à savoir pouvoir dater les anciens séismes. Et ça, c'est né effectivement il y a une trentaine d'années aux États-Unis, en Californie, comme vous le savez. C'est un endroit où il y a une célèbre zone de faille qui s'appelle la faille de San Andrés. Et puis, au fil du temps, ça s'est développé dans d'autres pays, notamment les pays où il y a le plus souvent des séismes, hein, Japon, Italie, Grèce, Turquie, et dans le Maghreb. Et puis, maintenant, c'est une discipline qui est développée à peu près dans le monde entier, avec des spécialités. On peut travailler sur des failles interplaques, c'est-à-dire à la limite des plaques, mais il y a aussi, on le sait, les tremblements de terre qui peuvent se produire au milieu des plaques. Je ne vous entends plus, Yves. Oui, parce que je tapais sur mon écran. Quels sont les objectifs de cette paléosismologie? Alors, il y a deux objectifs, je dirais. Donc, paléosismologie, je reprends. Paléo, ça veut dire ancien en grec. Hein. Sismologie, ben, les séismes. Donc, c'est la science des séismes anciens. Mais en fait, c'est une science qui va d'un séisme qui peut se produire aujourd'hui jusqu'à des séismes qui ont pu se produire il y a jusqu'à 100 000 ans, on va dire. Tout va dépendre des capacités qu'on a de pouvoir dater dans le temps ces anciens séismes. Elle a deux objectifs. Elle permet de comprendre comment fonctionnent les failles. Mmh. C'est un laps de temps. Donc de la science fondamentale. C'est de la science fondamentale. Comprendre comment se distribue la déformation, par exemple, le long d'une zone de faille, qu'elle soit dans une limite de plaque ou qu'elle soit au milieu d'un continent.
Et puis le deuxième objectif, c'est bien entendu d'essayer de prévoir, pas de prédire, mais de prévoir ce que la zone de faille en question va faire pour le futur. L'hypothèse est la suivante, si on a un certain nombre d'éléments statistiques au cours des 10 derniers 1000 ans, 15 000 ans, on peut faire l'hypothèse que la faille va continuer à fonctionner d'une façon moyenne comme elle a fonctionné au cours des 10, 15 derniers 1000 ans, et on peut du coup projeter ce qu'il en est pour les 30 ans à venir, ou 50 ans, ou 100 ans. Donc il y a un cycle alors, il y a des cycles de répétition de séismes. On peut parler d'une façon un peu simpliste de cycle en faisant l'hypothèse qu'il y a une régularité comme ça ouais, dans la production des séismes. C'est pas vrai, ça existe. Il y a certains cas qui sont effectivement parfaitement cycliques. Dans la plupart des cas, ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que comme on pourra le voir dans différents exemples, il n'y a jamais une seule faille. C'est des zones de faille. Autrement dit, les petits segments qui cassent les uns après les autres, comme s'ils se parlaient entre eux, ils modifient un peu la donne. Et donc, ils se contrarient leur cycle les uns les autres. Donc, c'est plus compliqué qu'un cycle tout bête. Mais une faille isolée dans un milieu intracontinental peut produire d'une façon assez régulière. D'accord. Oui. Alors, notre petite voix, le néophyte, nous disait Cro-Magnon avait des sismomètres. Alors, quelles sont les méthodes pour étudier ces séismes anciens et comment les retrouve-t-on? Alors, malheureusement, Cro-Magnon n'avait pas de sismomètre. Ça aurait été bien utile parce que on aurait 10 000, 17 000, 17 000 ans, un peu plus d'enregistrement, ça serait parfait. Ouais. Et c'est bien parce qu'on n'a pas ces enregistrements-là et parce qu'en fait, on va dire, entre guillemets, le cycle sismique est bien supérieur à l'histoire des instruments sismologiques. Hein. Les premiers sismomètres, c'est 100 ans. Donc, en 100 ans, on a enregistré beaucoup de séismes partout dans le monde, c'est vrai. On voit très bien d'ailleurs que la plupart de ces séismes se produisent sur les limites de plaques. Mais par contre, ça ne suffit pas pour caractériser le cycle de chacune des failles. Hein, les failles les plus rapides, j'allais dire, entre guillemets, hein, elles jouent tous les 200 ans, tous les 250 ans. Donc, on n'a pas de répétition sur les sismogrammes. Et c'est bien pour ça qu'il faut pouvoir lire, non pas sur des graphes, mais dans le paysage, dans les strates du quaternaire, les traces de ces anciens séismes. Et c'est ce qu'on va faire. Ouais. Donc c'est une fenêtre ouverte sur un temps beaucoup plus long que les 100 dernières années avec nos sismomètres. Quoi. Oui, tout donc à c'est fait. Une fenêtre extraordinaire. Oui, c'est une fenêtre qui est, on va dire, au moins deux ordres de grandeur supérieure à la fenêtre instrumentale. Hein. Donc on va passer de 100 à 10 000 ans, voire 100 000 ans. On a des méthodes de datation maintenant qui peuvent aller jusqu'à ces périodes-là. Et qui vont pouvoir caractériser, notamment en termes de contraintes d'âge, les tremblements de terre du passé. D'accord. Parce que, en dehors des sismomètres, on peut remonter jusqu'à l'écriture 6000 ans avant Jésus-Christ, où on a des témoignages, mais aussi des légendes. Oui. Alors, il y a effectivement une autre partie de la sismologie, on va dire entre la sismologie instrumentale, celle des instruments, et puis la paléosismologie. On va qualifier de géologie des tremblements de terre, il y a ce qu'on appelle la sismicité historique. Donc, c'est cette sismicité qui repose sur des archives écrites et qui témoignent de secousses sismiques, bien que les gens à l'époque ne savaient pas ce que c'était qu'une faille. Ils ressentaient des secousses dont vous parliez tout à l'heure, là, que vous avez ressenti quand vous étiez enfant. Ouais. Et ils disaient, telle ville s'est détruite, telle autre à moitié détruite, celle-ci a été complètement rasée. Et ces archives-là permettre un petit peu de circonscrire où s'est produit le séisme. Mais c'est très... Alors, bien sûr, il y a la date, ça c'est très important. En général, on arrive à donner une date avec ces sismicités historiques. On peut même utiliser l'archéologie, on parle d'archéosismologie, mais on va avoir difficulté à qualifier la source, c'est-à-dire l'endroit où a eu lieu le séisme. D'accord. D'accord, parce que ça peut effectivement, les ondes se propagent sur de longues distances, et si c'est une magnitude importante, on n'est pas obligatoirement à l'épicentre lorsqu'on fait ces recherches
Exactement. Arkea. D'accord, tout à fait. Alors, arrivons aux méthodes. Est-ce que vous pouvez illustrer ça avec des exemples? Nous allons partager votre écran. Oui, alors peut-être je vais commencer par utiliser... alors, vous me dites si vous voyez... Moi, je vois en régie, mais je vais attendre que ça soit mis pour partager votre écran. Mais l'écran, je le vois très bien. Eh bien, je vais prendre, par exemple, on va commencer par ça, voilà. Alors, je vais mettre en grand, parce que là, hop là. Alors, nous sommes où, là? Alors, que les auditeurs, enfin, les voient, j'espère, c'est une image satellitaire. Vous avez l'échelle, en bas à droite, 30 km, qui est située en Iran, au nord de l'Iran, dans la chaîne de montagnes de l'Alborz. L'Alborz, donc, c'est le nord de l'Iran, entre la mer Caspienne et le désert du Grand Kavir. Alors, j'aurais pu montrer une carte. Mais ce qui est intéressant, ce que je veux montrer ici, on va dire, je pense que tout le monde voit ça, même s'il n'a pas le coup d'œil géologique. Vous avez un volcan qui est en haut, ici, à droite. Vous voyez sa pointe. Ça fait un cercle à peu près de 30 km de diamètre. Et puis, vous avez une vallée linéaire. Ah ouais, oui. Avec du vert à l'intérieur, un peu de verdure. C'est des forêts. Et donc, que la première chose que va faire un paléosismologue, c'est de reconnaître où sont les failles. D'accord. Donc, vous voyez cette structure très linéaire, eh bien, c'est une faille. D'accord. Et alors, quels sont les différents moyens, en dehors des photos aériennes, est-ce qu'on a d'autres moyens de retrouver des failles? Oui, vous avez les images satellitaires, de plus en plus. Ouais. C'est un exemple d'image satellitaire, avec des résolutions qui peuvent aller jusqu'à 60 cm par pixel. Oh, c'est incroyable, ça me... Oui. Et, incroyable. Et puis, vous avez bien sûr des photos aériennes. Alors, les photos aériennes, vous ne les avez pas partout, mais les images satellitaires, en général, vous avez pour toute la Terre maintenant. D'accord. Et puis, la méthode, elle va procéder un petit peu comme un phénomène, vous allez zoomer petit à petit. Donc, vous voyez, là, j'ai mis un carré jaune qui va nous conduire sur la zone de terrain. Là, on voit une vue du paysage, et j'ai mis entre deux petits triangles blancs la zone de faille qui est un versant. D'accord. Donc, en termes de méthode, on va, comme ça, passer de l'image satellitaire via éventuellement la photo aérienne, via des images qu'on va faire de drones, où je vais vous montrer, avec des méthodes comme une station optique ou du GPS cinématique. On pourra revenir sur toutes ces méthodes. Les cerfs-volants auxquels on accroche un appareil photo, on va faire de la photogrammétrie ou les drones. Bien sûr, tout dépend des autorisations dont on dispose. Et puis, on va pouvoir produire ce qu'on appelle des modèles numériques de terrain. Alors ça, c'est finalement sous la forme d'un petit bloc diagramme. C'est le schéma de ça. De cette image. Vous voyez les trois Talweg C, B, A. Donc, on va aller les revoir. Voilà, vous les avez ici en vue oblique C, B, A. Et vous voyez très bien qu'il y a quelque chose de bizarre qui traverse le flanc et qui n'est autre de ce qu'on appelle un escarpement de faille. D'accord. Et Talweg, vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un Talweg? Talweg, pour faire simple, on va dire que c'est un ruisseau asséché, une petite vallée. Le long de laquelle l'eau coule par intermittence, seulement quand il y a des pluies. D'accord. Voilà. Donc, c'est des ravins creusés par l'eau, mais qui ne sont pas, le long duquel il n'y a pas toujours de l'eau. En l'occurrence, là, ils sont généralement à sec. Et s'ils se mettaient à pleuvoir, bien sûr, ils couleraient. Alors, ces Talweg, ce sont ce qu'on appelle des marqueurs morphologiques. Ils vont nous permettre de caractériser très précisément les déplacements. Alors, vous voyez, on synthétise ici entre l'image qu'on voit à gauche, qui est l'image des marqueurs. Vous avez les trois Talweg qu'on retrouve en bleu, le décalage, et on a pu représenter le mouvement qui explique le décalage de ces Talweg. D'accord. Donc, ça, c'est une première méthode. On va parler de morphotectonique. Oui. C'est la morphologie, la tectonique appliquée à la morphologie.
Ça, c'est un premier élément de la paléosismologie parce qu'il permet d'analyser dans le paysage les caractéristiques, on parlera de cinématique, c'est-à-dire de mouvement de la faille. Vous voyez ? Très bien. À gauche, en bas, est représenté, selon la méthode des sismologues, un cercle, c'est une représentation stéréographique qui montre le mouvement, qui caractérise le mouvement de la faille. Et vous voyez qu'il est surtout, on parlera décrochant, parce que vous voyez, les petites flèches jaunes sont horizontales, c'est surtout un mouvement de type horizontal. D'accord. Voilà. Et on voit des flèches rouges de alors, remonter oui, l'un par rapport à l'autre aussi. Donc il y a oui, deux mouvements en fait. En fait, non, oui, non. Il y a deux composantes, si vous voulez. Le mouvement, c'est un mouvement oblique, hein, il est décroché. Ah, d'accord. Il descend un peu vers le bas. Ce que schématisent les deux flèches rouges, c'est la composante verticale. On voit qu'il y a, le long de cette faille, une petite composante verticale. En l'occurrence, pour les gens qui connaissent un petit peu, on parlera de composante normale. On voit que le compartiment élevé s'affaisse. Donc, il descend par rapport au pendage de la faille. Donc, c'est ici, c'est une petite composante. Donc, c'est une faille normale. C'est une faille normale, mais c'est surtout une faille décrochante sénestre. Donc, elle est sénestre normale, exactement. Très bien. Voilà. Donc, alors, à ce moment-là, vous allez aller sur le terrain. Vous y êtes déjà, d'ailleurs, avec les instruments. Voilà. Et alors, vous allez étudier quoi dans cette faille? C'était la première question que je vous ai posée avant le live et je me demandais ce qu'on allait. Alors, je voulais dire parce que c'est important, si vous voulez, pour faire de la paléosismologie et pour faire l'analyse notamment de datation des anciens séismes, il faut se mettre dans une situation où on va avoir des dépôts récents. Quand je dis dépôts récents, c'est-à-dire des dépôts quaternaires. Sur cette montagne que vous voyez en haut à gauche, les dépôts quaternaires, pour les chercher, évidemment, vous n'allez pas vous mettre dans les talwegs, puisque par définition, c'est des incisions qui enlèvent de la matière. Il faudra aller se mettre, par exemple, dans la gouttière ici, le long de laquelle il y a des colluvions de pente qui vont se trouver piégées. Alors, d'accord. On va aller regarder. On va passer. Voilà. Vous voyez l'escarpement vu du haut. Et il est plus difficile à voir sur le terrain, mais vous voyez la gouttière. Ah oui, on voit la gouttière. Oui, oui, tout à fait. Vous voyez ici. Et donc, vous voyez, eh bien, les éboulis de pente, hein, vous êtes sur un pierrier, eh bien, ils ne peuvent pas remonter ce petit bourrelet, et donc ils sont piégés dans une gouttière. Eh bien, c'est là qu'on va installer des tranchées à travers la faille. Hein. La faille, elle est autre que là, hein, c'est le petit liseré vert qui passe ici. Mm-hmm. On va étudier l'histoire des ruptures successives, c'est-à-dire des séismes qui ont produit ces ruptures au cours du temps. Vous voyez ? D'accord. Donc, c'est grâce à ce piégeage sédimentaire en plein milieu du versant qu'on va pouvoir faire des tranchées. On va parler de paléosismologie en sens strict, mais comme je vous ai dit, il y a une première approche qui est morphologique, puis ensuite il y a une approche qui va être stratigraphique. Alors, si on va regarder un petit peu plus près ce piégeage, vous avez ici une photo qui montre un peu tous les éléments dont on dispose dans cet exemple. On se situe au niveau du talweg B, là au milieu de le bloc diagramme, qui est décalé d'environ 10,50 m. Plus ou moins 2 mètres, c'est l'incertitude avec laquelle on a estimé le décalage entre les deux flèches. En gros, la personne qui prend la photo, en l'occurrence moi, est dans l'axe du talweg, puis on voit que tout d'un coup, ce talweg est décalé de 10 mètres vers la gauche. Alors, les 10 mètres de décalage ne sont pas liés à un seul séisme. C'est alors, ça, moi, au départ, je me suis dit, tiens, les 10 mètres, c'est un séisme, mais non, c'est une répétition de séisme, j'ai bien compris ou pas? Vous êtes tout à fait en droit de vous poser cette question, parce que 10 mètres, on est un petit peu dans le maximum qu'un séisme peut faire à terre. Je citais le séisme de Tohoku tout à l'heure au Japon, si je ne me trompe pas, c'est 2014, je crois. Bref, ce séisme de Tohoku qui avait lieu dans une zone de subduction avec un déplacement entre 15 et 20 mètres. Là, on est sur le sol, dans un continent, 10 mètres, c'est le maximum qu'on peut voir. Donc oui, est-ce que ce décalage, c'est un seul séisme ou est-ce que c'est plusieurs séismes? Eh bien, c'est l'analyse dans les tranchées qu'on voit là qui vont nous permettre... Qui vont répondre. Ceci étant, on peut tout de suite faire le lien. Hein. Si 10 mètres, c'est un séisme, c'est un magnitude qui fait 8,5. Ouais, donc, c'est énorme. On est à côté de Téhéran, si c'est le cas, tous aux abris. Hein. Enfin, alors après, la question de savoir quel serait son cycle, mais c'est un petit peu ça qu'on va regarder. Ouais. Alors, vous voyez le géologue qui est entouré et qui donne les chaînes. Ah oui, il est tout petit.
Et on voit la tranchée à gauche. Alors, vous avez, vous avez trois tranchées. Vous en avez trois une tranchées. Ici, là, qui traverse oui. Perpendiculaire à la faille. Vous en avez une deuxième aussi ici. Puis, vous en avez une parallèle qui va permettre de faire le lien entre ce qu'on voit en coupe dans cette tranchée-là avec ce qu'on voit en coupe dans cette strate. Cette tranchée-là, vous n'avez pas forcément ce qu'on appelle en géologie un cylindrisme parfait, c'est-à-dire, vous ne voyez pas à 30 mètres d'intervalle forcément la même chose d'une tranchée à l'autre parce que vous avez des variations en trois dimensions, pardon, des unités stratigraphiques. Voilà. Alors, je vais passer rapidement sur le petit schéma qui suivait, qui expliquait un peu les... Quoique non, c'est pas mal, je vais le montrer. Qu'est-ce qu'on va chercher dans ces tranchées? Ben, avant de revenir sur l'exemple que je montrais, voici par exemple un petit bloc diagramme qui montre ce qui se passe lorsqu'il y a une rupture d'un sol en surface. Là, vous avez un petit alvég avec de l'eau, la pelouse en l'air, et vous voyez un séisme l'affecte. Et vous avez ce qu'on appelle un escarpement de faille, très clair, mais comme on est en surface, il y a de la pluie, qu'il y a de la neige, qu'il y a du vent, que ces formations générales ne sont pas très bien consolidées, il va s'écrouler. Et il va s'écrouler au pied de l'escarpement. Donc on va qualifier cet écroulement de colluvion en pied d'escarpement. On va parler de coin colluvial. Vous voyez, ça fait un triangle, d'où le terme de coin. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé après un séisme. Et voilà par exemple un exemple en Arménie. Nous sommes en 1988, séisme de Spitak, vous voyez, qui fait un énorme escarpement d'à peu près 1,80 m. Vous l'avez la taille des petits bonhommes à côté. Et vous voyez maintenant à quoi ressemble aujourd'hui cet escarpement. Vous voyez, il s'est écroulé et il a diffusé. C'est beaucoup plus lisse. D'accord. Donc c'est rempli maintenant, il y a un remplissage. Vous avez une diffusion. Voilà. D'accord. Alors, et admettons que ça recommence, une pelouse est reformée, vous ne voyez plus l'escarpement. Mais un géologue reconnaîtra, tiens, c'est bizarre, cette surface, elle a été, elle descend, voilà. Deuxième séisme, et rebelote, on recommence la même chose, écroulement de l'escarpement, et vous faites un deuxième coin. Eh bien, le paléosismologue, admettons qu'il n'a rien vu de tout ça, lui, il va repérer l'escarpement, il va faire une tranchée, et il va essayer de voir s'il trouve non seulement la trace du dernier événement, il le voit, c'est l'escarpement, mais voir s'il n'y a pas un coin colluvial en dessous qui montre qu'il y avait déjà eu un événement. Alors, avant de faire la tranchée, il fait un petit sondage, un petit forage avec une tarière ou pas. Comment il sait si eh bien, le coin de colluvion est assez profond et a un intérêt au niveau analyse paléosismologique? Alors, oui, on peut éventuellement mettre en œuvre un sondage. Ce n'est pas toujours finalement ce qu'il y a de plus pratique. Une tarière, très vite, ça devient difficile à creuser dans certains matériaux. Donc, en général, on attaque tout de suite. D'accord. Alors, je voulais montrer cette photo parce qu'elle résume un petit peu les outils avec lesquels on va faire cette tranchée. Alors, il manque quand même potentiellement deux choses. Si on a pu faire monter un tracteur, on va faire une tranchée avec le tracteur et une pelleteuse. Mais s'il n'y a pas de tracteur, eh ben, c'est l'huile de coude avec des pelles, des pioches, plusieurs personnes, un tranchée tel qu'on les a vus dans la photo tout à l'heure où il y avait le petit bonhomme entouré. Ça peut prendre une petite semaine hein, à 5-6 personnes. Hein. Voilà. Et puis après, on va faire un relevé très précis de tout ce qu'on voit. Après avoir posé une grille, comme un petit peu en archéologie, qui va nous permettre de relever, de faire ce qu'on appelle un log, un levé très précis de tout ce qu'on voit, tous ces cailloux, tous ces sables, les éventuelles ruptures, etc. On va s'aider en brossant, en faisant ressortir les éléments qui ont des duretés différentes, on va jouer sur l'érosion différentielle, etc., etc. Et on va pouvoir faire ce qu'on appelle un log. Alors vous voyez, là, le log de la tranchée T3 ici, qu'on voyait tout à l'heure en photo, toujours le petit bonhomme tout petit ici. Vous voyez l'échelle là, des collègues iraniens qui sont dans la tranchée, hein, qui fait près de 4 mètres de profondeur. Vous l'avez ici, l'échelle. Et on va relever toutes les stratigraphies. Et ici, on a pu caractériser entre 6 et 8 événements de type colluvial, associé à la dégradation d'un escarpement. Donc, on pense qu'on a
8 événements et non pas un sur cet escarpement. Donc on sait qu'on a 10 mètres, 8 événements. Alors on peut s'amuser à faire une estimation moyenne du déplacement. Hein, c'est difficile. Ici, dans la tranchée, on va surtout caractériser l'âge. On va pouvoir dater avec des méthodes. Bah ouais, parce qu'après, il faut passer à la datation quoi, de ces événements avec différentes méthodes. La chronologie relative, sans doute, sûrement, je pense. Voilà. Alors, je reviens un petit peu. La morphologie va nous permettre de caractériser des déplacements, des morphologies. On va pouvoir quantifier des déplacements. En stratigraphie, c'est plus difficile de caractériser des déplacements, si ce n'est la composante verticale. Hein. Mais on va dater, on va surtout s'atteler à dater chaque événement. On va utiliser par exemple des charbons de bois ici, que nous allons dater avec le carbone 14. Et puis si on n'a pas charbon de bois, on va dater des sables fins avec une méthode assez récente qui s'appelle la luminescence optique. Alors on peut aussi avoir affaire, lorsqu'on est dans des zones plus humides, à des paléosols. Vous voyez ici des niveaux de tourbe paléosols. Alors, c'est un exemple qui n'est pas en Iran, ici c'est un exemple qui est en Sibérie. Et qui permet aussi de dater les choses au carbone 14. Et puis, on peut faire les datations, obtenir des contraintes d'âge. Vous avez ici les différents âges obtenus, notamment pour la partie inférieure de la tranchée, et on a pu caractériser les différents événements. Et notamment montrer, si vous voulez, je ne vais pas détailler les chiffres, ce n'est pas utile, ouais. On peut caractériser que ces 8 événements, ou 6, ont eu lieu au cours des derniers 10 000 ans. D'accord. Voilà. Et à partir de ces résultats, quelle est l'analyse que vous en faites pour essayer effectivement d'aller vers le futur? Alors voilà. Donc en résumé ici, par exemple, on sait qu'on a entre 6 et 8 séismes au cours des derniers 10 000 ans, avec ce qu'on appelle un intervalle de récurrence, hein, ça veut dire retour, un intervalle moyen entre 1200 et 1600 ans. Alors on a estimé des magnitudes, je ne vais pas expliquer ici comment on a fait, on a pu caractériser la composante verticale, et comme on connaissait parfaitement la cinématique de la faille, on a pu estimer la magnitude avec la relation que je vous ai montrée tout à l'heure. Bref, on a pu faire une estimation. Alors, je vais sortir pour vous montrer un exemple. Voilà ce qu'on a pu obtenir sur l'Iran. Voilà. Vous avez un diagramme qui montre les schémas des failles autour de Téhéran. Téhéran, c'est la capitale de l'Iran, hein, c'est 12 millions d'habitants sur une surface qui fait 30 km sur 40. C'est énorme. C'est une des plus grandes métropoles au monde, extrêmement peuplée. Vous avez les failles qui sont schématisées ici, en rouge. Vous voyez qu'il y en a plus d'une. Et vous voyez les tranchées qu'on a faites en orange sur ces différentes failles. Et la tranchée que je vous ai montrée, elle est ici, c'est celle du en haut à gauche. Alors vous voyez qu'on en fait plusieurs, non seulement sur une faille qui s'appelle Mosha, on en a fait sur d'autres failles, Talleyrand, Nord-Téhéran. Et finalement, ces travaux de paléosismologie, de stratigraphie tectonique, va nous permettre de caractériser et la vitesse des failles, et la magnitude moyenne, et l'intervalle de récurrence moyen. Et alors qu'on a tout ça, on peut faire ce que font par exemple les Américains en Californie. Ils peuvent, fort de cette statistique, estimer la probabilité d'un séisme, par exemple, en l'occurrence ici, supérieur à 6-7, pour la baie de San Francisco. Ils ont utilisé donc la paléosismologie sur toutes ces failles. Vous avez la zone de faille de San Andreas. Ceux qui sont allés en Californie reconnaissent la baie de San Francisco, la péninsule. Le Golden Gate Bridge serait là. Et vous voyez des failles comme Gregorio, San Andreas, Airwood, Calaveras, toutes ces failles ont été tranchées, ont fourni des données de paléosismologie, donc passées, mais projetées dans le futur. Elles permettent de dire que, alors ça s'est passé en 2008, hein, ils ont dit en 2008 et à l'échelle de 30 ans, la probabilité qu'il y ait un séisme dans cette zone-là, alors je mets un cercle, parce que si vous additionnez tous les chiffres, ça fait pas 63, hein, ça, les pourcentages vont un petit peu plus loin. Mais vous avez, par exemple, vous habitez ici, sur la faille, dans la péninsule, ben vous avez 21% de chances que dans les 30 ans, il y ait une rupture sur la faille de San Andreas. Vous voyez qu'il vaut mieux pas habiter sur la faille de Howard, où vous avez 31%. 31%, c'est facile. Hein. Vous avez un DA 6 faces, et au lieu d'avoir 3, 4, 5, 6, vous avez 3 chiffres. Mettons 2 fois le 1, 2 fois le 2, 2 fois le 3.
hein, et vous choisissez le 3, ben, vous jouez les dés, vous voyez ce que ça fait. Vous avez quand même 30% de chance que dans les 30 ans qui viennent, alors depuis 2008, vous comprenez bien que il n'y a pas eu de séisme, la probabilité a augmenté, que Calaveras produise un séisme de magnitude supérieure à 6,7. Donc ça, vous voyez, c'est ce qu'on peut faire. J'ai retrouvé une mise à jour un peu plus récente de cette estimation. Vous voyez, elle a été faite en 2014. Vous voyez que toutes les probabilités ont augmenté, évidemment, puisqu'il n'y a pas eu de séisme. Donc 72%, 33% sur Airworld. Et voilà, donc voilà ce que permet de faire la paléosismologie, combinée bien sûr hein, avec les autres données de sismologie que sont la sismicité instrumentale, mais aussi un élément très important qui permet de mesurer les déformations actuelles qui s'appelle la géodésie, et notamment la géodésie GPS qui permet de mesurer très précisément le mouvement des plaques et le mouvement des blocs qui constituent ces plaques. Alors, merci hein, pour toute cette explication sur la paléosismologie, les objectifs, les méthodes, les résultats. Alors, si on revient à l'article, il y a des failles en France métropolitaine, donc sur continent, là. On est sur la plaque euro-asiatique. Alors, ces 30 ans de recherche, moi, ce que j'ai vu, c'est que le travail était encore bien fragmentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a au bout de 30 ans comme résultat pour la France? Quelles failles ont été déjà étudiées? Je sais que ces travaux ont été repris par effectivement le séisme du Teil. Est-ce que vous voulez nous en parler de ce fameux séisme qui a peut-être relancé, je ne sais pas. Moi, c'est comme Jacques, je l'ai un peu compris de mon côté. Oui, alors, avant de parler du séisme du Teil, et pour répondre à la première partie de votre question, Yves, je vous montrerai cette carte hein, qui montre la France, les données de failles considérées potentiellement comme actives. Alors, c'est une carte qui a été éditée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ah oui. Base de données s'appelle la BDFA, base de données des failles actives, en fait, c'est base de données des failles potentiellement actives. Alors, qu'est-ce qu'on appelle faille active? Parce qu'on parle aussi du volcan actif-inactif. Alors, c'est une certaine durée sans avoir de séisme lié à cette faille. C'est que c'est quoi une faille active? Non, alors, une faille active, on va dire, pour faire simple, hein, notamment dans un contexte comme celui de la France, qui est un contexte continental, on va dire que c'est une faille qui a cassé dans les derniers 2 millions d'années. Ah d'accord. Voilà. Alors, quand je dis cassé, et que je parle de 2 millions d'années, ça veut dire finalement une faille dont on a des éléments géologiques, stratigraphiques, morphologiques, qui montrent qu'elle a produit un séisme avec rupture de la surface dans les 2 derniers millions d'années. D'accord. Voilà. Ici, cette première carte de synthèse qui montre toutes ces failles et qui en fait a été faite surtout autour, alors on ne le voit pas, mais surtout à l'endroit où il y avait des centrales nucléaires. Il manque par exemple la caractère. Vous voyez ici dans les Pyrénées, il n'y a pas beaucoup de centrales nucléaires, c'est pour ça que les failles restent en blanc, elles n'ont pas été caractérisées parce que les autres, vous voyez, ont des couleurs, soit bleu, soit rouge, soit jaune. Quand c'est rouge, c'est qu'on a des éléments pour montrer qu'elle est vraiment active aujourd'hui, c'est-à-dire notamment dans la période la plus récente, soit qu'il y a eu des séismes carrément, séismes instrumentaux, soit qu'il y a eu des éléments de traces dans la période de temps la plus récente, on parle de l'Holocène. L'Holocène, c'est les 10 derniers 1000 ans. Et vous voyez, quand c'est jaune, eh bien, on va aller dans la période du Pliocène. Quand c'est bleu, on pense que la faille est potentiellement active, mais on ne sait pas à quelle échelle de temps cette activité est vraiment caractérisée. Donc, vous voyez, en fait, cette carte est un premier très bon départ, mais elle montre qu'on a quand même beaucoup de données fragmentaires. On ne sait pas, par exemple, si un jour la faille sud-américaine pourrait être... Et là, je vais vous mettre en relation avec Fabrice. Alors, Fabrice, tu as certainement plein de questions à Jean-François.
Et je vous laisse discuter entre vous, puis ensuite je poserai quelques questions des internautes là. Oui, je pourrais montrer une petite image du séisme du Teil, hein, de la rupture du Teil, si vous voulez. Ouais. En tout cas, bravo pour les explications, puis les blocs diagrammes tout à l'heure qui étaient très très didactiques, bah, qui permettaient de bien comprendre un peu les objectifs de la recherche. Alors moi, je fais partie du réseau là pour le Grand Ouest. Mais j'avoue que en fait c'était un petit peu compliqué parce que dans le Maine-et-Loire on n'a pas de beaux marqueurs pour la période justement du Quaternaire. On a simplement des terrasses alluviales, etc. Il y a eu des travaux qui avaient été menés justement pour voir si les altérites avaient bougé. Voilà. Alors en dehors des tremblements de terre historiques que l'on arrive à déceler, c'est vrai que les archives de la terre dans le Maine-et-Loire c'est pas trop la fête. On a simplement une faille supposée dans le Miocène, voilà. Mais on est à 11 millions d'années, donc ça reste difficile. Par contre, c'est vrai, bah, Yves pourra en reparler, mais on travaille en ce moment aussi sur, alors c'est pas du récent, c'est sur les tremblements de terre qui sont enregistrés, mais dans des formations du Carbonifère. Voilà. Donc en fait, c'est aussi de la paléosismologie, quoi, mais on essaie de comprendre là aussi ce qui s'est passé, d'où venaient, où étaient éventuellement les épicentres, à quelle magnitude ça se produisait. Je voulais simplement demander là justement si des tranchées telles que celles qui ont été menées en Iran ou aux États-Unis, est-ce que cette méthode a également été appliquée en France? Oui, tout ouais. À fait. Alors justement, ça c'est une très bonne... question qui me permet de faire une transition sur la France qu'avait déjà commencé à faire Yves. On est aujourd'hui, et d'où l'objet de l'article hein, qui a été publié, on est un petit peu dans un tournant, je dirais, parce que je vais vous montrer cette diapositive, si on peut la voir. Je vais mettre le grand écran, voilà. Je vais revenir un petit peu sur votre question, mais voilà, je voudrais simplement parler rapidement du Teil qui s'est produit il y a un peu plus de 2 ans et qui a montré plusieurs choses à la fois surprenantes, intéressantes, je ne vais pas dire inquiétantes, je ne vais pas faire de l'alarmisme, mais qui en tout cas relance justement le fait qu'il faut faire beaucoup plus de paléosismologie en France. L'hôtel, ça s'est produit à côté de Montélimar, au sud-ouest, vous voyez ici l'épicentre, en rouge, l'étoile. Ça a été ressenti jusqu'à Montpellier, Grenoble ou Marseille, c'est des grandes villes qui sont à 100 km. Et pourtant, la magnitude n'est pas très forte, hein, 5-4 sur l'échelle de Richter, hein, la magnitude locale, ML, 4-9 pour la magnitude du moment sismique dont je vous parlais tout à l'heure. Bien sûr, ça fait aussi du bruit parce que la vallée du Rhône, dans laquelle je produis le séisme, il y a des ouvrages sensibles, 2 centrales nucléaires. Et je passe sur les dégâts, mais ce que je voulais montrer, c'est ça. C'est un séisme qui a fait d'énormes accélérations du sol. C'est des collègues de Grenoble qui ont publié ça. Jusqu'à, vous voyez, les petits points rouges, c'est 10, c'est-à-dire, en fait, c'est 1, c'est plus d'une fois l'accélération du sol dans le sens vertical, ici, ou horizontal. Donc, c'est des accélérations énormes. Vous avez ici des dalles d'un cimetière qui ont été déplacées, cassées. Par ailleurs, je vais passer sur les répliques, la chose la plus inattendue, c'est que c'est un séisme qui a, alors je vais le montrer, qui a cassé la surface. C'est un séisme en compression, comme on le voit ici, avec ce petit bloc diagramme. Et on a su qu'il avait cassé la surface, même avant d'aller sur le terrain, avec cette image qu'on appelle d'interférométrie radar. C'est un petit peu comme une carte du sol avec des courbes de niveau. Bon, on parlera de franges, c'est une espèce d'arc-en-ciel à chaque fois. Et le nombre de franges définit un déplacement de 3 cm. Là, vous en avez à chaque fois, vous avez 1, 2, 3. Vous avez 3 franges de 3 cm, 2 franges de ce côté-là. Ça veut dire 5 fois 3. Vous avez un déplacement de 15 cm. Puis, le plus intéressant, plus intéressant, ce qui est remarquable, vous voyez, c'est que les franges sont coupées. Hein, il y a 2 domaines. Qui sont vraiment le long d'une ligne parfaite. Cette ligne n'est autre qu'une faille géologique qui était cartographiée sur la carte géologique hein, du Berger, mais qui n'était pas
cartographiés dans la base de données des failles potentiellement actives. Autrement dit, il n'y avait pas de marqueur quaternaire qui disait que c'était une faille active. On voit ici en coupe ce qui s'est passé, c'est cette faille géologique ancienne, qui est une faille normale, listrique, qui avait bougé lors de l'ouverture du golfe du Lion, à l'Oligocène, qui avait décalé de l'ordre de 200 mètres les séries mésozoïques. Hein. Et puis donc, en 2011, tac, elle est inversée et casse en mouvement inverse. Et on a trouvé à la surface, en utilisant notamment la cartographie INSAR, la rupture qui avait cassé des routes, des chemins. Vous avez ici une cartographie très précise avec un scanner Faro qui permet de faire des mesures micrométriques. Vous avez le lever, un modèle numérique de terrain, de la rupture le long de la route, qui nous a permis de mesurer très précisément les composantes verticales ici, jusqu'à 4 cm. Vous avez un autre exemple, c'est l'endroit où la rupture a été la plus forte, c'est-à-dire un chemin, et vous voyez très bien tout d'un coup cette marche qui fait 10 cm de haut. Donc vous avez les profils P4 ici et P3, le long desquels on a un déplacement vertical de l'ordre de 10 cm. Sachant que la faille est une faille en fait, qui est en fait une faille inclinée. Hein. Donc quand je dis 10 cm en vertical, avec une faille à 30 degrés, vous voyez, ça fait de l'ordre du double sur le plan de faille lui-même. Donc séisme étonnant parce que pour la première fois, il cassait une faille qui n'était pas cartographiée comme active. Il y avait une rupture de surface et il y avait des accélérations phénoménales. Et du coup, on s'est dit, mais si on n'est pas capable de voir avec une approche morphologique les failles, comme je vous ai montré en Iran ou aux États-Unis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des tranchées, parce que dans les tranchées, on va peut-être être capable, alors je vais vous montrer justement une tranchée qu'on a faite sur la faille de la Roubière, excusez-moi, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vous montre un modèle numérique qui a été levé avec un drone. Vous avez la rupture qui s'est faite en 2019. Ça fait 5 km de long, hein, ce trait que je vous ai montré. Nous avons défini des zones où nous avons pu ouvrir des tranchées. Alors, vous avez par exemple cette première zone ici, au milieu de la faille. La voici en zoom. Nous avons fait plusieurs tranchées sur la rupture de 2019. Alors, voilà à quoi ressemblaient les conditions de terrain avant ouverture de la tranchée. Vous avez la faille oligocène. Bon, vous avez des colluvions périglaciaires qui étaient déposées contre. Et puis, voilà la tranchée une fois qu'elle a été ouverte. Et on a pu trouver dans cette tranchée des traces anciennes de ruptures passées. On a pu faire des prélèvements à l'intérieur de ces colluvions pour dater soit avec de la luminescence optique en jaune, soit avec du carbone 14 en bleu, les séries de colluvions, et montrer qu'il y avait eu un séisme, on dit pénultième, ça veut dire avant-dernier, il y a eu 2019 qui a cassé ici, et il y a eu avant 2019, entre 13 000 ans, qui est l'âge le plus ancien qu'on a pu avoir, et 3 000 ans, qui est l'âge de la calcite qui est venue remplir cette structure, entre 13 000 et 3 000 ans, il y avait déjà eu une rupture. Autrement dit, il y a une dizaine de milliers d'années, la faille de la Rouvière, qui n'avait pas été caractérisée dans la morphologie, dont on ne voyait pas la signature morphologique en tant que faille active, avait une signature stratigraphique qui montrait qu'elle avait cassé. Ça veut dire quoi en conclusion? Ça veut dire qu'il faut... Alors, je vais montrer ça. Il faut faire des tranchées sur tous les autres segments des failles autour de la faille de la Rouvière qui a cassé en 2019, mais il faut faire ça partout en France. Il faut faire ça, je vais revenir sur la carte que je montrais tout à l'heure du réseau qui s'appelle FACT, qui s'appelle Faille Active France, dont le collègue fait partie. Alors je le retrouve, c'est sur mon autre PowerPoint, pardon. Et puis on va prendre une question des internautes. Au jour d'aujourd'hui, les 9 régions que vous voyez s'occupent de faire des tranchées sur les différentes failles, pour essayer de caractériser, comme on l'a fait le long de la faille de la Rouvière, s'il y a eu des ruptures sismiques par le passé sur les failles en France. Super. Alors, question de Clarita. Alors, je vais superposer le chat, là. Voilà. Ah, il n'y a pas. Ah, ça ne se superpose pas, je ne sais pas. Si, ça se superpose ou pas, mais peut-être qu'il faut que je... Alors, je vais couper là.
Et non, ça ne se superpose pas, je ne sais pas. Alors, je vais lire la question de Clarita. Clarita nous demande, comment on estime la magnitude de chaque séisme dans le cas des escarpements créés par plusieurs séismes? Il y en a un qui a pu avoir une magnitude plus élevée que l'autre. Ou alors, on prend en considération que la moyenne de magnitude de tous? Point d'interrogation. Très bonne question, Clarita. Je vais essayer de remettre un diagramme qui va me permettre de répondre à cette question avec des illustrations, sinon je le ferai comme ça. Oui, quand on veut essayer d'estimer une magnitude, on a besoin du déplacement, de la longueur, de la largeur. On peut aussi utiliser uniquement le déplacement avec des lois de statistiques. Je ne sais pas si je les ai là, non, ce n'est pas grave. Par exemple, ici, vous voyez un très beau déplacement. Vous avez la faille qui est un petit peu en oblique par rapport à la diapo. Et vous voyez que le compartiment derrière, là, a été déplacé d'environ 4 mètres. Le géologue qui fait l'échelle, vous voyez très bien le log qui illustre. Donc là, ici, on peut directement utiliser le déplacement qu'on va qualifier ici d'unitaire. On sait que c'est le dernier déplacement et on va faire un lien avec une magnitude. Mais effectivement, vous pouvez vous trouver dans des cas où vous allez avoir, alors là, par exemple, déplacement de 4 mètres entre les deux flèches, puis vous passez au Talbec suivant, tac, 9 mètres. 9 mètres, alors est-ce que c'est 2 fois 4 mètres et demi ou est-ce que c'est 4 mètres et demi plus 4 fois 1 mètre? Et puis là, vous passez à l'escarpement suivant, tiens, 13 mètres. Alors, quand vous avez des indications comme ça, où vous avez des déplacements qui sont ce qu'on appelle des multiples les unes des autres, vous voyez que là, on a un multiple de 4 finalement. On est en droit de penser que le déplacement à chaque fois qu'il se fait est ce qu'on appelle constant. On va parler de caractéristiques. Et ça, c'est un exemple assez rare. On a mesuré donc tous les Talweg et on a pu effectivement vérifier qu'on avait ce qu'on appelle les déplacements constants caractéristiques associés au paléocéisme. Ça nous permet d'avoir une magnitude moyenne effectivement qui correspond au jeu de la faille. Mais dans bien des cas, ce n'est pas vrai et on n'arrive pas toujours à calculer la magnitude. Alors on va faire les choses autrement. On va utiliser l'âge des séismes. Et si vous avez l'âge des séismes et que vous avez une vitesse moyenne de déplacement, vous pouvez remonter au déplacement. Vous savez que la vitesse est un déplacement divisé par le temps. Si vous avez deux de ces paramètres, en l'occurrence la vitesse moyenne et l'âge, vous aurez un déplacement. Et vous retombez sur un déplacement et donc une magnitude. Bravo Loulou. Yves, on ne t'entend pas. Je coupe parce que je coupe quand je tape sur mon clavier pour répondre. Merci Fabrice. Alors, question d'Hichem. Bienvenue Hichem, qui pose la question, quelles sont les méthodes numériques employées dans cette discipline? Alors, peut-être qu'il est dans la modélisation et j'avais effectivement posé la question à Jean-François. Alors, méthodes numériques. Elles interviennent, les méthodes numériques, à tous les étages, à tous les niveaux maintenant, puisque vous allez, par exemple, traiter l'imagerie satellitaire. Déjà avec des méthodes numériques qui vont permettre de traiter le signal, faire ressortir plus ou moins de choses. Vous allez traiter l'information topographique avec également des méthodes numériques. Ensuite, quand vous êtes sur le terrain, vous allez utiliser la photogrammétrie ou la photographie, le log de tranchée. En général, en parallèle, on fait bien sûr des photos mosaïques, c'est-à-dire qu'on fait des photos sériées de la tranche du mur de tranchée. On les orthorectifie, on fait des photos mosaïques. Les méthodes de datation font appel aux méthodes numériques, avec des méthodes statistiques de type bayésien, pour trouver le meilleur, pour essayer de réduire au maximum l'écart, l'intervalle entre les âges qui encadrent les différentes unités. Donc, elles interviennent partout et bien sûr, elles interviennent lorsqu'il s'agit de faire une modélisation de projection dans le futur.
pour faire les probabilités. Donc oui, les méthodes sont très présentes. Et le fait est, la paléosismologie est une discipline où il y a beaucoup de collaboration avec différents spécialistes et notamment les gens qui font de la modélisation numérique. Ouais, nous terminerons là-dessus sur cette paléosismologie qui est aussi une discipline transversale. Il y a beaucoup d'autres scientifiques, ceux qui font la chronologie absolue, ceux qui font la stratigraphie, ceux qui disent les images satellites. Bon, c'est vraiment un domaine multidisciplinaire. Bah Jean-François, un grand, grand, grand merci, merci. Parce que ouais. Moi, je connaissais pas cette discipline avant, et j'ai appris beaucoup et bon, tout le monde le sait ici. Moi, ce que j'adore, c'est d'apprendre. Alors bon, ça tombe bien. Un grand, grand merci. À bientôt, Jean-François. À bientôt. Grand merci. Grand merci, Jean-François. Salut. C'était une grande clarté. On est très fiers ici d'avoir régulièrement des chercheurs et des gens comme ça, très, très calés, très pointus, qui peuvent nous expliquer avec une simplicité des choses. Donc, c'est promis, je ne poserai plus de questions à la con sur les chromagnons et les sismomètres. En tout cas, grand merci. C'était super. Vraiment, vraiment génial. La rubrique Géo, la rubrique Géo-Site. C'est parti? Ouais, c'est parti. Alors, mon Fabrice, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Tu vas nous présenter la géologie. Oh, yo, Yves, tu es ouf. Je suis là, coucou. T'es perdu, Fabrice? Ouais, tu me félicitations. Ouais, yo. Non, alors, ça va, aller... tout va bien. Bon, on va aller en Auvergne. Ouais, mais avant, tiens, bah, je complète un truc là. Quand tu vas sur Infoterre, tu peux. Oui. Tiens, bah, j'y vais vite fait. Tac. Donne-moi le nom d'une ville, Yves. Vas-y. Nom d'une ville. Alors attends, ouais, je mets d'abord ton écran. Nom d'une ville. Allez. Marseille. Marseille. Take, on y va. Alors en fait, dans les informations dont on peut disposer sur Infoterre, eh bien, hop, j'enlève ça. Regardez, je vais le chercher ici. Vous avez une rubrique qui s'appelle risque naturel. Tu le vois, Yves? Ouais. Oui. OK. Alors il y a les cavités, tout ça. Et si on regarde ici, il y a le zonage sismique. Et puis, il y a la sismicité historique et les séismes historiques. Donc là, par exemple, je vois que dans le secteur de Marseille, j'ai des ronds qui sont avec des couleurs. Et si je veux savoir ce que c'est que ces ronds avec ces couleurs, eh bien, regarde, tu vois, tu as l'intensité des épicentres. D'accord. Ici. Et si tu veux des informations sur les tremblements de terre, il suffit d'aller sur I. Et ensuite de sélectionner le rond que tu veux. Et donc là, il y a par exemple. Et t'as l'info, d'accord. Ouais. Là, par exemple, j'ai une fiche détaillée sur un tremblement de terre. Voilà. Donc, qui a eu lieu en 1922. C'était un mardi. Mais bien c'était sûr. Le 7 novembre à 4h20. Voilà. 4,5 de magnitude, apparemment. Ouais. Sympa. Hein. D'accord. D'accord. Merci, Fabrice, pour ce complément. Alors, on va aller en ouais. Auvergne, Fabrice, et tu vas nous présenter la géologie oui. du lac Pavin. Pavin. Alors, le lac Pavin, il est... Alors, il pourquoi est... l'Auvergne? Oui. Alors, pourquoi l'Auvergne? Bah, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait regardé les photos aériennes du littoral. On avait été en Bretagne, on avait été à Oléron, etc. Et bah, en fait, chaque année, moi, j'emmène les étudiants également en Auvergne. Alors maintenant, l'Auvergne fait partie de ce qu'on appelle l'ARAS et l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une des 13 régions de France métropolitaine. Et dans cette Auvergne-Rhône-Alpes, il y a plusieurs départements. Nous, on va aller dans le 63. Alors le 63, Yves, tu connais ce truc-là? Le Puy-de-Dôme. C'est le Puy-de-Dôme. La préfecture, c'est Clermont-Ferrand. Voilà. Voilà le Puy-de-Dôme, 63. Et le Puy-de-Dôme, il est connu pour ce volcan, le Puy-de-Dôme, mais également pour un autre volcan, hein, c'est le Sancy. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Yves. Ah oh, oui. Le Sancy.
Alors, c'est souvent connu aussi pour le tourisme, bien sûr, puisque dans le massif du Sancy, vous avez pas mal de choses, hein, bien sûr. Il y a du fromage, il y a de la viande, il y a des magnifiques paysages, il y a des volcans, il y a des stations thermales, mais il y a également des stations de sport d'hiver. Ah ouais, Alors, il y non, a une ça je station de savais sport pas. d'hiver qui est assez connue, là, celle-ci, là, c'est Superbès, pour ceux qui Ah connaissent. oui, Superbès. Mais il n'y a pas le Tour de France qui arrive de quelquefois à Superbès? Ben oui. Si, puis bah, autrement, il y a des Ben oui. trails, tout ça, tu peux faire des trails dans ce coin-là. Et à D'accord. côté de Superbès, il y a une ville, une commune qui s'appelle Besse et Sainte-Anastèse. Oui. Si vous cherchez un prénom pour vos enfants. Si vous avez des jumeaux, bien sûr. Oui, bien sûr, il en faut deux là, au minimum, voire trois détripés. Un Besse, un Saint et un Anastèse. Alors, on remarque qu'entre la mairie de Besse et Sainte-Anastèse, ici, et la station de sport d'hiver de Superbès, eh bien, vous avez un plan d'eau là. Tu le vois, Yves, sur la photo? Hein, Yves, tu le vois ou pas? Ce plan d'eau? Est-ce Tout que à tu fait, l'entends? je le vois Ouais. très bien. Super, je retourne dessus. Alors, ce plan d'eau, il a une forme particulière. Alors, bah, on va dire qu'il est circulaire. On va regarder un petit peu quel est son hop, 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 Son diamètre? son diamètre. Alors, je vais prendre comme ça. L'outil Donc mesure? là, j'ai 700 mètres sur un axe Ouais. est-ouest et à peu près la même chose sur un axe nord-sud. Donc, c'est un plan d'eau qui est circulaire. Alors, il fait partie des nombreux lacs qu'on peut trouver en Auvergne et qui, d'ailleurs, font l'objet d'un tourisme aussi, hein. Il y a un tourisme dédié aux lacs, comme le lac d'Éda, le lac Chambon, et puis bah, ce lac. Alors, ce lac, il porte un nom. On va regarder quel est son nom. Hop, je vais aller chercher plus de données pour que la carte IGN apparaisse. Et regardez, il s'appelle le lac Pavin, Pavin. Pavin. Et ça vient d'où ce mot pavin, le sais-tu ou pas? Là, je ne sais pas. Donc, D'accord. On on peut peut faire laisser appel libre. aux internautes, peut-être qu'il y en a Ouais, qui ouais, savent, ouais. et qui vont chercher, et qui vont nous dire, ah ouais, le lac Pavin, son origine, c'est... Ouais. Alors, pourquoi as-tu Par contre, choisi ce lac Pavin? ce que je peux dire, bah, ça peut être une bonne idée de prénom pour un enfant aussi. Je parle de Pavin, hein, pas de lac. Alors, ce lac Pavin, il a une morphologie particulière. On va regarder à nouveau sur la photo aérienne, un cliché relativement récent, et on voit que son pourtour est boisé, et on a l'impression qu'il y a deux faces bien nettement visibles sur cette photographie. Alors, si je fais un profil topographique autour de ce lac, voilà ce que j'ai ici. Donc, en effet, on a ça monte, ça redescend brutalement et ça remonte et ça redescend brutalement de l'autre côté. Je vais refaire une autre coupe. Attendez, hop, je recommence. Je fais une autre coupe topographique dans cet axe-là et Alors, on voit. Clarita nous a trouvé l'origine de Ah, Pavin. super, vas-y, C'est Clarita. une francisation de son nom occitan local, lac Pavan, qui signifie lac effroyable. Donc, ça veut Effroyable. dire, c'est en occitan D'accord. local. Bon, bah merci Clarita. Merci. Alors, Yves, tu as remarqué à nouveau, il y a une morphologie particulière, hein. Ça monte et ça redescend brutalement. Ouais. Et là, ça monte et ça redescend brutalement. Et alors, on va le faire comme ceci maintenant. Attends, je ferme celui-là. Je recommence, j'en fais un troisième. Profil topographique, histoire de voir s'il y a quelque chose de particulier. Et on retrouve à nouveau cette morphologie particulière. Et le dénivelé est de combien? Au Alors, le maximum là? dénivelé, eh bien, on va regarder. Hop. Donc c'est un lac assez profond, hein? Alors là, on n'a pas la profondeur du lac, hein. Non? Là, tu vois, c'est l'eau, le niveau d'eau, là, ici. Ah, c'est le niveau d'eau, d'accord. Autant pour Ouais. moi, autant pour Donc moi, d'accord. là, on est à 1270. Donc il y a 70 mètres là, de dénivelé. D'accord. Entre le sommet et la surface de l'eau. C'est ça. D'accord. Alors, bah, allez, je vends la mèche. Tiens, bon, on va demander aux internautes. Allez,
Les internautes, trouvez-nous la profondeur du lac Pavin. Allez-y. Bah ça y est, Vincent de Tilleux a dit 93 mètres. 80, super. Alors, 93 mètres. 91, 92, 93 mètres. Merci Vincent. Et c'est un lac d'ailleurs, merci. Hein. C'est un lac qui fait d'ailleurs l'objet d'études. Et là, Shipper, si tu vois en plein milieu du lac, tu n'as pas vu là ça? Regarde. Est-ce que tu le vois? What is this? Je ne Alors, c'est pas. Un carré. Oui, avec un autre carré noir dedans. En plein milieu du lac, en fait. Bon, bah, c'est une barque. Ouais, c'est bien. En fait, c'est une plateforme. C'est une plateforme pour les scientifiques. C'est une plateforme pour les scientifiques pour faire des études. Ouais. Et en fait, ce lac est surveillé sur le plan physico-chimique de qualité de l'eau, mais également sur le plan biologique. Ouais, parce qu'il a une particularité où il n'y a pas de circulation, peu de circulation d'eau entre la surface et la profondeur, avec une anoxie en profondeur, hein, si je me rappelle bien. Alors, on regarde également, bah, il y a un suivi. De la faune à l'intérieur de ce lac et de la flore. Donc, c'est un lac qui est par les biologistes et aussi par les géologues. Alors, on va essayer de savoir pourquoi les géologues s'intéressent à ce truc-là. Mais une petite remarque, Yves et les internautes, regardez, il y a un truc bizarre qui se trouve au sud de ce lac, ici, là. Ah oui, dis donc. Alors, je vais vous le montrer. Ouais, je vais vous le montrer avec un autre qui permet d'avoir la topographie en couleur. Alors, c'est France Topographie. Alors, je vais le refaire avec vous comme ça. Oui, d'accord. Ouais, vas-y. Non. C'est parti. Je vais le refaire avec vous pour que vous soyez. Ouais, vas-y. Vas-y, je t'avais une question. Non, ce n'était pas une question, c'était juste une pour la forme. C'est-à-dire que tu peux mettre en plein écran quand tu montres les images satellitales, comme D'accord. ça on voit bien sur l'écran. Bah là, j'ai utilisé donc la plateforme qui s'appelle France. Ouais. Là, c'est France Topographie. Vous retrouvez le Sancy, il est là. Alors, le Sancy, c'est le point culminant de l'Auvergne. Et on a l'altitude ici, là, 1885 mètres. Alors, on va regarder où se trouve notre lac ici. Ah, on a une information supplémentaire, Yves. Il y a marqué que c'est un cratère. C'est intéressant, ça. Alors, Yves, qu'est-ce que tu sais du mot cratère? Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'évoque, un cratère, Yves? Hop. Allô, Yves? On va demander aux internautes oui, c'est quoi un cratère. Oui. Juste, est-ce que tu peux agrandir, s'il te plaît, tu vois, tu as plein écran sur le côté gauche, là tu as des plus, moins et agrandir en plein écran, attends, ce qui permettra à ce que tous les internautes voient. Attends, j'essaie de trouver où c'est. C'est où ce truc? Il est où ton plein écran? Tu vois l'image et tu as plus en haut à gauche, plus, moins et un grand carré. Tu appuies sur le grand carré et tout va s'ouvrir. Okay. Voilà, c'est bon? C'est mieux, voilà, comme ça on est impeccable. Ok. Alors, un cratère, Yves, c'est quoi? Vas-y. Un cratère? C'est un creux? Ouais. Ouais, et qui est dû à quoi, généralement? À une météorite? Oui, ça peut être alors, un cratère. Alors, voilà la question, cratère d'impact, ou alors ça vient de la profondeur. Alors, comment savoir si c'est un cratère volcanique ou un cratère d'impact? Il faut analyser... Alors, cratère d'impact, on en avait déjà parlé, Yves. Oui. C'était pour la roche de Rochechouart, le cratère Exactement. D'impact de Rochechouart. Exactement. Avec François-Xavier Decaris. Donc, pour un cratère d'impact, on va trouver des roches qu'on appelle des impactites. Des roches avec un des métamorphisme très important. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et qui est dû donc avec un métamorphisme caractéristique des impacts. On avait parlé également de météores cratères, donc en Arizona. Ouais. Alors que les cratères volcaniques, eh bien, on peut en trouver des brèches d'ailleurs, Yves, dans les cratères volcaniques, mais ce seront des brèches volcaniques. Et D'accord. le métamorphisme sera relativement faible, voire inexistant. Alors, on va regarder à côté de ce lac Pavin, il y a en effet, regardez, il y a une sorte de furoncle rouge là que l'on voit.
qui s'appelle le puits de Montchal. Alors, un puits, P-U-Y, ça veut littéralement dire une colline. Ouais, et pas un trou. Vous voyez, et pas un trou, c'est donc une bosse. Ça se voit bien, en rouge ici, c'est des bosses. Ouais. Et quand c'est en bleu, bah, c'est un creux. Donc, on a un cratère ici avec le lac Pavin. Et juste à côté, on a un puits qui correspond, en effet, alors je vais enlever ceci, qui correspond à un autre cratère. Mais, hop, le voilà, il est ici. Alors, je vais vous le montrer en... Hop. Alors, tu vois, tu peux très bien agrandir en bas à droite, là. En bas à droite, tu voilà. peux agrandir en plein écran, là. Voilà, super. Ouais, ça te va, là? Ouais. Ouais, c'est super. Alors, ce puits de Montchal, on le voit ici. En fait, on s'aperçoit que bah, il a une partie centrale qui est légèrement creuse. En fait, c'est un volcan. Donc, on a deux volcans côte à côte, mais qui n'ont pas la même morphologie. Le lac Pavin, là, qui a donc un diamètre, on a dit, de 720 mètres à peu près, dans un diamètre interne, hein, et qui est en eau. Et le puits de Montchal, au sud, là, qui, lui, n'a pas d'eau, visiblement, et qui a un cratère beaucoup plus petit. Donc, deux volcans côte à côte. Alors, on va s'intéresser à ce lac Pavin. On va demander aux internautes... Les internautes, essayez de trouver quelle est la datation qui est proposée pour l'éruption du lac Pavin. Allez-y. Et puis, pendant ce temps-là, on va demander à d'autres internautes d'essayer de trouver la datation pour le puits de Montchal, puisque c'est le nom de ce volcan qui est au sud. Allez, c'est parti. Alors, je dis attention à Fabrice, parce qu'il te reste 13 minutes. 10 minutes, ouais, 12, super. 13 minutes. On a le temps de demander aux internautes de trouver... Ah bah, ils vont nous répondre. Bah oui, évidemment. Allez, à fond les claviers, là. À fond les claviers, allez. Ça donne quoi, alors comment t'appelles déjà le savoir alors, étudiant, là? Le téléphone. Quand t'es sur... voilà, quand tu es sur le terrain, toi, t'appelles ça, vous prenez votre savoir, et donc le téléphone, c'est ça? D'accord. Oui. Bon, il n'y a pas de réponse, alors vas-y, dis-nous. Pas de réponse. Si. Alors, si, attends. Ah, Vincent, super. 7000 ans le lac. 7000 ans pour le lac Pavin. En fait, oui. On serait à 6009 pour le lac Pavin. Ah bah bravo, Vincent. Mais c'est plus clair, jeune, c'est pas... 6700 ans, dit Clarita, et Vincent rajoute, c'est le plus jeune volcan de France. Ben voilà. En fait, c'est le... Alors, de France, je précise, métropolitaine. Métropolitaine, exactement. Et oui, Yves, parce que bien sûr, l'île de la Réunion, la Guadeloupe, la Guadeloupe, tout ça, bien sûr. Zone de subduction. Ouais, ouais. Donc, en effet, c'est l'éruption volcanique. C'est la dernière éruption volcanique qui a eu lieu en France métropolitaine. Et le puits de Montchal, lui, il n'a pas de chance, puisqu'il serait daté à peu près de 7000 ans. En fait, il aurait pu être le dernier volcan entré en éruption en France métropolitaine, mais c'est l'éruption du lac Pavin qui a le jackpot. Donc, c'est, on va dire que c'est sur le plan, sur le plan géologique, c'est hyper intéressant parce que, Yves, souvent, on pose la question, est-ce que les volcans d'Auvergne peuvent-ils est-ce qu'il peut encore y avoir du volcanisme en Auvergne? Est-ce que tu as une idée sur cette question? Alors déjà définir ce que c'est qu'un volcan actif ou pas actif, comme j'avais demandé pour à Jean-François, qu'est-ce qu'une faille active ou pas? Alors faille active, c'est dans les 2 millions d'années. Alors le volcan, un volcan actif, moi, mes souvenirs, mais c'est des souvenirs, moi c'est 10 000 ans, mais peut-être que c'est 100 000, je ne sais plus. Alors, un volcan actif, c'est un volcan où il y a une éruption en cours. Hein. Après, on peut dire qu'il est... Alors, il y a le terme de volcan définitivement éteint, si tu veux. Ouais, c'est ça. Puis après, il peut être en dormance. Donc, en fait, on considère, les vulcanologues considèrent qu'un volcan... une éruption volcanique a eu lieu il y a moins de 10 000 ans. En fait, ça veut dire que ce n'est pas encore forcément terminé. Ouais. Donc là, rappelle-moi la date là, de 20. Selon les 6700 ans. 6700. Bon, on est à moins de 10 000 alors. Voilà. Ça veut dire que il peut y avoir potentiellement.
potentiellement. Voilà. Alors, comment tu peux m'expliquer cette différence de géomorphologie entre ces deux volcans, là, depuis de Montchal et du lac Pavin? Montchal. Alors, bah, en fait, il faut aller sur le terrain, là, Yves. Et sur le terrain, on s'en aperçoit en effet que morphologiquement, il y a quelque chose qui est différent. Et également la nature des roches. Et en effet, le puits de Montchal, lui, il est composé d'une accumulation de scories. Alors, les scories, eh ben, ça tombe bien, tu as fait un film il n'y a pas longtemps, là, où tu as été sur le puits de la Vache, le puits de la Solace. Donc, les scories, c'est des lapillis, hein, c'est des accumulations projection. De projections. Donc, c'est un cône qui est le fruit d'éruptions où il y a eu des petites projections qui ont façonné ce cône. Alors que le lac Pavin, il n'a pas du tout la même morphologie. Et en fait, le lac Pavin, il se trouve qu'il a il a un petit frère qui n'est pas loin. Je vais vous le montrer sur la carte. Vous allez le retrouver facilement. Je vous le montre ici. Je vais suivre tes conseils et mettre cela en feuille pleine. Est-ce que tu vois un rond sombre sur la... Oui. Tu sais que tu peux aussi... Tu peux appuyer sur la croix carte en cours, là. Tu peux appuyer sur la croix, hein. Tout en haut, et ça va encore agrandir. Oui, oui. Voilà. Bah, regarde, alors je te le montre ici, ça s'appelle le lac Chauvet. Et il y a un point commun entre le lac Chauvet et le lac Pavin. Regardez, ils sont pas très éloignés l'un de l'autre. Hein. Je vais vous les... en distance, hein, entre les deux, il y a 5 km. Donc, ces deux lacs ont la même à peu près circonférence, ils ont à peu près la même morphologie, et ces deux lacs sont ce qu'on appelle des mahars. Alors, les mahars, on va demander aux internautes, ça s'écrit M-A-A-R, allez, les internautes, essayez de trouver ce qu'est un mahar. C'est parti. Un mahar, M-A-A-R. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? D'ailleurs, Yves, ça peut être sympa comme prénom. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as une réponse de la part des internautes pour Mahar? Vincent qui parle d'explosion. Voilà, c'est un Mahar, c'est la conséquence d'une éruption avec une explosion. Et cette explosion, généralement, est le fruit de la rencontre entre le magma souterraine. On parle aussi d'éruption phréato-magmatique. Phréato, ça vient du grec phréatos, hein, qui veut dire les puits. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour le lac Pavin? Eh bien, le magma qui était dans la chambre magmatique, etc., en remontant, a fini par rencontrer des eaux souterraines. Et ces eaux souterraines, en étant réchauffées, eh bien, se sont transformés en vapeur d'eau, ça a pris plus de volume et ça a fini par exploser. Alors Yves, on va poser la question, je te pose la question si tu veux, pourquoi est-ce qu'on a très peu de films d'éruption de type Mahar? C'est en profondeur. Oui, mais il y a une autre raison. Je ne sais pas. C'est catastrophique. Et on ne peut pas avoir de film de ça parce que ça fait tout péter. Ça fait tout péter, d'accord. Ça fait absolument. Donc, en fait, concrètement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'illustration d'éruption de type Mahar? Bah, c'est quasiment instantané et c'est une gigantesque explosion. Alors, qu'est-ce qu'on a en coupe? Eh bien, on peut regarder ce que propose quand vous allez sur le site de... Hop, je vais vous le montre ici. Voilà une coupe géologique simplifiée qui est proposée lorsqu'on va voir le lac Pavin. Et vous avez donc le puits de Montchal sur la partie gauche de ce dessin. Je vous le remonte après. Le lac Pavin qui est ici. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que dans l'axe du lac Pavin, vous avez une sorte de cheminée. Alors si on le coupe ici, ça s'appelle un diatrème. Et en fait, lorsque le magma est remonté et qu'il y a eu cette explosion, ça a complètement fracturé toutes les couches qui étaient au-dessus. Alors, comment sait-on que le lac Pavin est plus récent que le puits de Montchal? Eh bien, parce que des fragments
issus de l'explosion qui a donné naissance au lac Pavin, ces fragments ont recouvert le puits de Montchal. Et là, donc, c'est le principe classique de superposition relative. Voilà. Donc, les dépôts du lac Pavin ont recouvert le puits de Montchal. Donc, les dépôts du lac Pavin sont plus récents que le puits de Montchal. C'est super, hein? C'est super. Et il y a Abdallah, bonsoir Abdallah, qui pose. Alors, c'est pas une question, c'est juste une phrase. Il dit Mar et Lar. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, les deux possèdent des A. Un lar, c'est une coulée de boue qui est liée en fait, qui est composée d'un mélange de cendres avec des blocs de taille hétérométrique. Et ça, c'est souvent la conséquence d'une éruption où il y a un mélange des cendres, etc., avec de l'eau. Donc, par exemple, si on a une éruption volcanique sous un glacier, eh bien, ça peut conduire à la transformation de la glace en eau et mélanger aux débris des explosions, les cendres, les blocs, et bien tout ça, ça dévale les pentes et ça emporte tout. Alors là, par contre, on a des films, on a des vidéos de l'art. D'accord. Hein, et c'est oui, tu m'en avais montré. Ouais. Alors là, vous pouvez aller sur YouTube, aller sur YouTube et vous verrez tout à fait. Ouais, Fabrice, quand on était sur le terrain avec tes étudiants, tu leur avais dit allez sortez votre savoir, donc le téléphone, et ils étaient allés voir effectivement une vidéo. Ça c'était sympa parce que on avait pu illustrer un petit peu des éruptions volcaniques avec des petits films directement devant les volcans. Voilà, bon, les nouvelles technologies, il faut en profiter lorsque c'est bon, quoi. L'occurrence, exactement. Alors là, Yves, c'est une vue du lac depuis les hauteurs et on s'aperçoit qu'ici, on est sur les bords du cratère. Alors, il est très végétalisé et on peut même s'intéresser à savoir est-ce qu'il a toujours été végétalisé. Alors, toujours, je ne peux pas répondre à cela, mais on va regarder comment c'était dans les années 1950. Oh là là, la petite voix qui apparaît. Oh, il ne reste plus que deux minutes apparemment. Oh là 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 là. Super. Eh bien, regarde, je vous le montre rapide. Le lac Pavin a toujours été un lac. En 1950, il l'était. Alors simplement, je vous incite à aller là-bas. C'est, je le rappelle, donc il s'agit d'un cratère avec une éruption particulière qu'on appelle un Mahar. Donc ces Mahars, il y en a plusieurs en Auvergne. Et ces mares sont le fruit d'éruptions phréato-magmatiques. L'autre point, c'est que c'est quand même quelque chose qu'il faut aller voir. C'est la dernière éruption volcanique qui a eu lieu en France métropolitaine. Voilà. Et pour en savoir Michel... plus, allez là-bas. Et vous verrez, il y a même des fois des expositions qui permettent de comprendre. Là, il y a des chercheurs qui mettent en place des panneaux, quelquefois, à l'entrée, au niveau du parking, où on peut avoir des petites histoires supplémentaires sur l'histoire de ce lac. Eh bien, et en plus, c'est super. Merci beaucoup, Fabrice. Jolie petite balade, vraiment. Et il est beau, ce lac, parce qu'il est tout rond. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il soit dans un cratère? On a l'impression que c'est quasiment un cercle parfait. Moi, je me rappelle, quand j'étais gosse, dans la purée, tu sais, on faisait un petit cratère et on mettait du jus dedans et ça faisait un lac Pavin dans la purée. Quoi, ça faisait, c'était marrant. Ouais. Ce qui est adorable, c'est que c'était l'anniversaire de ma petite de 6 ans. Là, et elle a eu comme cadeau des maquettes pour fabriquer des volcans. Donc, je suis très heureux. On va pouvoir s'amuser à faire péter le machin, ou pas. Super. Merci beaucoup, Fabrice. C'était une jolie petite promenade. Comme tout, on va... Si, un dernier point. On peut en faire le tour à pied. Hein. C'est super sympa. Ouais. En plus, c'est une balade. C'est une balade quoi. C'est 2 heures de faire le tour à peu près. Vraiment 2 heures, c'est beaucoup, mais ça va. Profitez-en. Je voudrais pas qu'on ait notre parce que il y a Thierry qui nous attend, je pense, parce qu'il doit il a école demain, donc il faudrait pas qu'on le couche trop tard. Donc on va tout de suite envoyer la rubrique Géo. Voilà. Bonsoir Thierry. Ça va? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va? Tu vas nous en mettre plein. On va parler d'un minéral qui s'appelle la stibine. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Et surtout, tu vas nous en mettre plein la vue parce que j'ai aperçu quelques photos. Donc, restez bien scotchés. Vous allez voir, c'est une petite merveille.
Petite merveille. On te laisse, vas-y. Voilà, donc vous voyez le partage, c'est bon. Voilà, c'est OK. Alors, je vais vous parler effectivement de la stibine. La stibine, qui est un minéral commun, la plupart du temps facile à identifier, hein, parce qu'il a sa forme de grande masse ou de grands cristaux. C'est un minéral qui ne pose généralement pas de problème d'identification, mais des fois, il faut toujours se méfier, notamment quand il est de petite dimension. Alors, la stibine, pour répondre à Fabrice, ça peut être aussi une bonne idée de prénom. L'étymologie, donc, c'est l'antimoine, tout simplement, hein, le latin stibium et auparavant le grébi. Donc, l'antimoine, la stibine étant le principal minerai d'antimoine. Donc, c'est un sulfure, hein, sulfure d'antimoine, du système orthorhombique. Ce minéral est spectaculaire parfois, il n'est pas toujours. Hein. Généralement, on le trouve plutôt de cette, avec cette apparence en masse. Hein. Alors, ses caractéristiques principales, il est bien sûr métallique et opaque, hein, ça va de pair. Sa couleur est gris de plomb avec quelques reflets bleutés. Hein, c'est assez caractéristique des minéraux à base d'antimoine ou de plomb. Ça se présente donc soit en masse, comme on le voit ici, qu'on pourrait appeler des masses fibro-lamellaires, hein, parce que c'est à la fois des cristaux allongés, plus ou moins épais, donc les fibres sont plus ou moins épaisses, et avec des, un aspect lamellaire. En fait, l'aspect lamellaire est lié au clage. Hein, les cristaux de stibine se clisent, c'est-à-dire se fendent suivant l'allongement des cristaux. Donc ça donne des sortes d'écailles allongées. Alors, quand ce n'est pas en masse, ça peut former des cristaux, et les cristaux sont plus ou moins allongés et peuvent s'organiser de différentes manières. Sur la photo de gauche, on voit une organisation assez type rayonnante, étoilée. Les cristaux peuvent être aussi enchevêtrés, hein, de manière plus ou moins organisée, ça peut être plus ou moins orienté, parfois complètement quelconque. Souvent, ils se disposent en gerbe, hein, comme ici sur cet échantillon assez spectaculaire. Hein, alors, le minéral en dessous, avant qu'on me pose la question, c'est de la barite. Hein. Là, on a des cristaux un peu plus grands, encore en gerbe. Donc, tant que c'est comme ça, c'est plutôt facile à identifier. Mais là où ça peut un peu se compliquer, c'est qu'il existe quand même des stibines de forme assez trapue, des cristaux peu allongés qui peuvent éventuellement poser des questions, notamment à ceux qui ont l'habitude de voir des stibines allongées et qui découvrent pour la première fois, pardon, une stibine à cristaux courts. Alors, j'ai dû zapper quelque chose. Il me manque une image. Ah, il me manque une image. Pardon. Bon, c'est pas grave. Hop. On va revenir. Alors, parmi les critères, il y en a pas mal. Disons, il y a des critères qui sont assez important, là, par exemple la striation. Les cristaux sont densément striés suivant l'allongement des cristaux, mais ce n'est pas un critère suffisant pour l'identification, hein, parce que beaucoup d'autres minéraux peuvent avoir ces caractéristiques avec des cristaux allongés et métalliques. Comme autre critère, il y a la fusion. C'est un minéral à base de soufre et d'antimoine. Donc c'est un minéral à bas point de fusion. En fait, on peut le faire fondre simplement avec la flamme d'une bougie. Donc là, c'est très simple à faire comme test.
Mais là encore, ce n'est pas suffisant pour identifier dans tous les cas, parce que d'autres minéraux qui ressemblent à la stibine ont les mêmes caractéristiques. Il y a la densité, hein, qui est de l'ordre de 4,6, qui, bah, comme c'est un minéral qui est généralement de grande dimension, d'assez grande dimension, on peut mesurer assez facilement sa densité, ou la calculer. Ce qui va vraiment faire la distinction par rapport à d'autres minéraux métalliques, c'est l'altération. La stibine, typiquement, s'altère en produits jaunes, surtout, également blanchâtres ou rougeâtres, et souvent des produits assez terreux ou en remplacement de la stibine. Hein. Vous voyez, par exemple, là, ici, ce sont trois échantillons de stibigonite, la stibigonite, hein, donc ce qui résulte de l'oxydation de la stibine, et on voit la stibigonite, en fait, s'installe autour de la stibine, voire la remplace complètement. Donc, il y a ces produits jaunes sont vraiment caractéristiques. Quand on a un minéral métallique avec d'altération jaune, il y a de fortes chances pour que ce soit d'astibine. Bon, il n'y a pas que des altérations jaunes, il y a aussi possiblement du rouge. Alors là, on a un échantillon assez spectaculaire de kermésite. Hein, c'est toujours alors, des oxydes ou hydroxydes hein, d'antimoine. Donc la kermésite, le plus souvent, elle est quand même plutôt terreuse et rouge, mais elle peut aussi prendre cette forme de taux fibreux, on dit fibro-radié. L'acénarmontite, minéral un peu plus rare, mais par contre, il est très caractéristique. Si on trouve de l'acénarmontite, alors généralement, c'est tout petit. Hein, là, on a un échantillon algérien qui est d'assez grande dimension. Les cristaux font plusieurs millimètres. L'acénarmontite, généralement, quand on la trouve, c'est plutôt un millimètre. Mais si on la trouve, comme c'est un minéral gris, très très fragile, et du système cubique, donc qui forme des octaèdres, c'est un témoin de la présence d'antimoine, généralement associé à la stibine. Il y a une limite qui est plus souvent blanche, mais qui peut aussi virer vers le jaune, ou la servantite un peu moins commune, mais qui peut aussi faire des enduits terreux jaunes, parfois blanchâtres. Ça, c'est un ensemble, c'est un petit peu le cortège blanc, jaune, rouge qui va permettre de dire on est plutôt avec de l'antimoine. Alors là où ça se complique, c'est qu'il y a des minéraux proches. Enfin plus ou moins proches de la stibine, qui parfois d'ailleurs peuvent être associés à la stibine et qui ont des caractéristiques communes. Alors je n'ai pas parlé d'une des caractéristiques, c'est la très faible dureté. La stibine est un minéral de très faible dureté également. La boulangérite par exemple, la berthierite, il y en a un que je n'ai pas mis, mais c'est le même registre, la zinkénite. Alors, ce sont des sulfocelles d'antimoine. Ils se composent de soufre, d'antimoine et soit de plomb, soit de fer. Et ces minéraux de petite taille, ils sont toujours pratiquement de petite taille, hein, presque toujours. Ils ressemblent énormément à la stibine qui, quand elle est de petite taille, a exactement cet aspect-là. Alors, pour faire de la distinction, ça ne va pas forcément être évident, mais on peut regarder les minéraux qui sont associés. Par exemple, la berthierite, elle contient du fer, donc on peut avoir des traces d'oxydation qui correspondent à de l'hématite, un rouge-brun. La boulangérite, la jamesonite, la zinkénite, c'est plomb. Donc généralement, on a du plomb, de la galène, la bournonite, des choses qui sont associées, un cortège de minéraux associés au filon polymétallique avec plomb et antimoine. On a un autre minéral qui est beaucoup moins commun, la bismuthinite,
ce qui peut éventuellement être confondu, mais la kyanite, quand elle s'altère, elle va donner parfois des produits jaunes, mais aussi des produits verts. Alors, pas des produits verts pétants comme la malachite, hein, mais des produits plutôt pastels. Hein. Mais c'est un minéral qui est beaucoup plus rare. La pyrolusite, c'est l'aspect fibro-radié qu'elle ressemble, mais la couleur n'est pas tout à fait pareille. Il n'y a pas cette nuance bleue, hein, c'est vraiment gris, un gris d'acier. Et là, on est dans des gisements de manganèse, donc il n'y a pas d'altération. La pyrolusite ne peut être associée qu'à des produits noirs ou éventuellement des minéraux roses, mais qui ne sont pas des minéraux d'altération. Alors, les applications de l'antimoine, il y en a en fait beaucoup. J'ai mis quelques exemples. On l'utilise en pharmacie, ça permet par exemple de traiter la grippe. C'est utilisé dans les textiles, ça permet de fixer les teintures sur la laine. Ça permet aussi certains composants sont utilisés pour les vêtements de pompiers, en fait, les vêtements anti-feu. On utilise l'antimoine aussi pas mal pour la vulcanisation du caoutchouc, hein, pour fabriquer les pneus. On en trouve dans la tête des allumettes, dans des composants électroniques, etc. Donc c'est vraiment un métal qu'on trouve un peu partout. Il a une particularité, c'est que c'est un métal, l'antimoine, qui est cassant et à bas point de fusion. Le plomb, lui, est un métal mou, à bas point de fusion également. Donc si on veut un métal avec des bonnes propriétés mécaniques, ni cassant ni mou, il suffit d'allier les deux. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai peut-être été un peu vite. J'espère. Oh non. Non, non, en tout cas, l'illustration par les photos, elles sont magnifiques, tes photos, c'est vraiment ouais, super. Bravo, merci. Alors Fabrice, as-tu des remarques, des questions Ouais, d'abord, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que l'antimoine sur le tableau de Mendeleïev, c'est SB, est-ce que c'est le lien avec la stibine et puis aussi, une question par rapport à... au désavantage de l'antimoine, on va dire, sur le plan environnemental. Qu'est-ce que dire là-dessus? Parce que quand il y a eu le chantier du Rennes, hein, ils sont tombés sur des filons avec de la stibine et ça a ralenti les travaux et ils ont dû prendre des précautions supplémentaires sur la gestion des déchets du creusement du tunnel. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus là? Sur les inconvénients de la stibine, et puis le lien avec... qu'est-ce que c'est que cet antimoine? Est-ce que ça veut dire que c'est contre les moines? Voilà, quoi, etc. Alors, sur l'étymologie de l'antimoine, il y a pas mal de propositions plus ou moins farfelues qui ont été faites. Il y a des légendes comme quoi... l'antimoine aurait empoisonné un moine en particulier. Alors, je ne connais pas tous les détails de la légende, mais c'est un sens étymologique qui est abandonné, on va dire, qui est considéré comme pas sérieux. En fait, l'origine du mot antimoine, ce serait une origine multiple à la arabe et grecque. Et assez complexe. C'est vrai que ça se bat même un petit peu pour savoir pourquoi ça s'appelle antimoine, mais ses origines arabes, grecques ont toujours le même sens. C'est tout simplement la stibine à l'origine. C'est le minéral tel qu'il était nommé à l'époque. D'où le SB sur l'échelle. Donc c'est ça, c'est devenu stimi, stibi, stibium, et voilà, en latin stibium pour ensuite via stibine. Mais antimoine, c'est aussi la même origine, mais ça a beaucoup dérivé en fait.
Et concernant les problématiques environnementales, alors? Alors, pour les problématiques environnementales, là, on sort de mes compétences. Je ne suis pas, je ne suis pas dans la chimie des, la dépollution et choses comme ça, c'est pas mon sujet. Ah, dommage, okay. Dommage que JF, notre chimiste, ne soit pas là. Le sujet l'intéressait beaucoup, mais là, il a un empêchement et il ne pouvait pas être au live ce soir. Mais il aurait participé volontiers à ce sujet de la stibine parce qu'il voulait en parler effectivement de l'antimoine. Thierry, voilà. Thierry, c'est quelle trace ça laisse quelle trace ce minéral? Oh, c'est une trace grise. Hein. C'est, okay, c'est, donc pas de différence avec de la galène et tout ça, quoi, je veux dire. Ah, si tu observes la trace avec une loupe binoculaire, tu vas poser. Hein, puisque la galène, okay, va avoir tendance. Enfin, tu vas pouvoir. Enfin, avec un gros, fort grossissement quand même, tu vas pouvoir voir des petits fragments cubiques. Hein. Il y a Abdallah qui. Ouais, il y a Abdallah, oui, qui précise qu'on pouvait utiliser l'antimoine également pour le maquillage des yeux. Est-ce que c'est vrai, alors, ou pas vrai? Tu as une idée là-dessus? Alors, ça a été a priori utilisé, notamment il y a longtemps par les Arabes, d'où l'étymologie, justement, l'origine étymologique qui serait liée à ça. Il y a aussi la galène qui était utilisée pour le fameux col. Je pense qu'on a utilisé les deux dans la même période. Dans tous les cas, le plomb et l'antimoine au niveau des yeux, c'est peut-être pas forcément quelque chose de bien. La bonne idée. Ouais, faut pas. C'est bon pour moi. Merci, hein, Thierry. Et encore une fois, bravo pour toutes ces photos là. Ah ouais, magnifique, magnifique photo. Tout est cool. Ouais. Merci beaucoup Thierry, c'était vraiment passionnant comme d'habitude et effectivement très belle photo. Donc bah, écoute, il nous reste une rubrique pour conclure, on va faire un petit tour dans l'histoire. Yves va nous raconter des moments d'histoire liés à la géologie. Jingle, sœur. Non. Oh tiens. Coucou. Voilà. Alors, tu vas nous parler d'un dîner de cons, c'est ça? Exactement. Je vais te parler d'un dîner de cons incroyable. Regarde-moi ça. Ah là 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 là. Nous sommes en 1853. Et c'est un dîner vraiment assez extraordinaire dans l'histoire de la géologie, puisque... eh bien, on se trouve à l'intérieur d'un moule, d'une maquette reconstituant un fossile reptile qui avait été trouvé au milieu du 19e siècle et qui s'appelle l'iguanodon. Est-ce que tu revois le dessin ou pas? Ma petite voix, non? Ma petite voix a disparu? Bon, il n'y a plus de petite voix. Bon, alors, vous voyez ce moule. Alors, il y en a qui parlent de moule, il y en a qui parlent de maquette. Là, on a, on a la tête de l'animal, là. Voilà, ici. Voilà, avec une corne, là. Et puis, on voit des personnes qui sont assises à l'intérieur de ce moule. Et puis, vous avez les serveurs. Puis là, vous avez un fragment du moule, ici. Voilà. Ici. Et en fait, c'est un dessin qui a été réalisé par Benjamin Waterhouse Hawkins et qui a permis d'illustrer un journal londonien. Et ce dessin est paru le 7 janvier 1854. Mais le dîner, lui, a eu lieu le 31 décembre 1853, donc à la Saint-Sylvestre, et ceci à Crystal Palace. Et Crystal Palace, en fait, c'est un bâtiment, regardez ce bâtiment, superbe, fait de fonte et de verre, qui a été construit pour la première exposition universelle. Voilà. Et c'est situé à Hyde Park, à Londres. Alors, qui trouve-t-on dans ce dîner? Eh bien, on retrouve des géologues. Et puis,
au-dessus, ici, vous avez des noms de géologues. Vous avez Buckland, vous avez Cuvier, vous avez Owen, et puis vous avez Mantell. Alors, on va aller voir quels sont ces quatre grands géologues. On va commencer par Buckland. Buckland. Alors, Buckland, c'est un Britannique. Et puis, c'est celui qui a découvert en 1824, vous voyez, au nord de Londres, au nord-ouest de Londres, un peu au-dessus d'Oxford, il a retrouvé des fossiles, des restes fossiles d'un reptile géant. Et ce reptile géant, il l'a appelé Megalosaurus. Megalo veut dire très grand, et saurus veut dire lézard, donc un lézard très grand. Et puis, petit point de détail sur Buckland. Eh ben, Buckland, regardez, je vous ai mis à côté, là. Je vous ai mis du cacaboudin. Voilà. Et en fait, c'est le premier qui s'est intéressé aux excréments fossiles, qu'on appelle des coprolites. Voilà. Et ces coprolites, l'étude de ces coprolites est très intéressante parce qu'il nous permet de retrouver l'écosystème. Voilà, le milieu où a été trouvé le fossile, le milieu environnant. Voilà. Ensuite, après Buckland, vous avez Cuvier. Cuvier, c'est un grand anatomiste et paléontologue, et c'est celui qui a mis en place ce qu'on appelle l'anatomie comparée. Il a fait de l'actualisme, c'est-à-dire que les fragments de fossiles qu'il trouvait, il les comparait avec les ossements des espèces actuelles. Et puis vous avez Gideon, on dit en anglais d'ailleurs, Mantell. Alors Gideon Mantell, alors lui, en fait, c'est un obstétricien. Au départ, c'est un médecin, mais c'est un médecin qui est passionné de paléontologie. Et avec sa femme Marianne Mantell, en 1825, ils sont en train de faire la tournée des patientes. Et puis sa femme lui dit « Oh là là, dans le buisson, là, il y a quelque chose qui brille. » Et qu'est-ce qu'il trouve en fait ? Il trouve des dents. Voilà. Et c'est elle qui en fait le dessin. Regardez ce dessin, on pourrait prendre de la graine. Hein. Franchement, quand Fabrice dit « Allez, on fait un dessin », regardez cette qualité du dessin, c'est impressionnant. C'est magnifique. Quoi. Oh, oh là 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 là. Alors, ces dents, qu'est-ce qu'il en a fait, Mantell ? Mantell, il les a proposées à Cuvier. Et Cuvier n'était pas vraiment intéressé par ces dents. Là, et en fait, il a dit « Oh là, ouais, ça me fait penser à des dents de rhinocéros, donc c'est un rhinocéros ». Sauf que Mantell, lui, il n'est pas du tout d'accord. Et il va faire aussi de l'anatomie comparée, et il trouve que ses dents ressemblent en fait aux dents de l'iguane actuelle. Voilà, vous voyez, il faut encore de l'actualisme. Et voilà pourquoi ce reptile, ses dents ici, qui avait une taille, si mes souvenirs sont bons, une taille 7 ou 8 fois la taille de l'iguane actuelle. Donc, il s'est dit, c'est un reptile géant, et ce reptile géant, eh bien, il l'a appelé l'iguanodon. Et il a trouvé où ces restes fossiles? Il l'a trouvé dans le Sussex, c'est-à-dire au sud de Londres. Et si vous allez au sud de Londres, eh bien, vous avez une stèle en hommage à Mantell, qui a trouvé ses restes fossiles au niveau de la carrière de White Man's Green. Et il a publié un recueil qui s'appelle « Les fossiles du Sussex ». Voilà, la géologie du Sussex. Donc, on a vu Buckland qui a trouvé le Megalosaurus, Mantell qui a trouvé l'iguanodon, il l'a trouvé en 1825. Il a trouvé également un autre reptile géant. Je reviendrai sur ces images. Il a trouvé Ileosaurus, voilà, en 1852, où on dirait un ankylosaure un peu avec ses épines. Passons maintenant à Richard Owen.
Alors, je vais quand même, voilà, je peux déplacer, ben voilà. Richard Owen. Alors, Richard Owen, oui, c'est le méchant. C'est le méchant de l'histoire. Richard Owen, il va faire la synthèse de tous les fossiles de reptiles retrouvés en Grande-Bretagne, en plusieurs volumes. Et ça va être le premier qui va donner le nom de dinosaure. Ça vient de dinosaure vient de Deinos, qui veut dire terriblement grand, et de Sauros, qui veut dire lézard. Et les trois reptiles fossiles retrouvés par Buckland, Megalosaurus, Mantell, l'iguanodon et Ilosaurus, eh bien, il va les regrouper dans un même taxon, c'est-à-dire dans un même paquet, et ce paquet, il va l'appeler dinosaure. Voilà. Et pour fêter ça, cette invention du mot dinosaure, et puis ce sont des bêtes géantes, quoi. C'est des choses qu'on n'a pas sous nos yeux actuellement. Donc ça remet en cause aussi la création du monde par Dieu, quoi. Et c'était quand même l'histoire de la Terre à l'époque au XIXe siècle. Eh bien, l'histoire de la Terre, eh bien, on essayait surtout. Buckland, lui, il était pasteur, et lui, il comprenait pas pourquoi on pouvait trouver des espèces géantes, anciennes, alors qu'on n'en trouvait pas actuellement. Alors que dans l'histoire racontée par la Bible, eh bien, Dieu a créé les espèces comme on les voit actuellement, et aucune n'a disparu. Voilà. Donc, c'est une révolution, quoi. Et Richard Owen a l'idée, devant ces reptiles géants, de demander à un de ses amis, qui lui est sculpteur, graphiste, dessinateur, c'est lui qui a dessiné le dîner là, eh bien, de faire des maquettes en taille réelle de ces fossiles découverts. Alors attention, hein, les reconstitutions à partir de fossiles, on sait ce que ça vaut, hein. Vous prenez quelques ossements, et après, vous imaginez, et tout ça, ce ne sont que des hypothèses. Eh bien, l'hypothèse qui est intéressante, regardez la représentation, voilà, la maquette qui avait été faite de l'iguanodon. Et qu'est-ce que vous voyez sur le dessus? Vous voyez une petite corne. Voilà, il pensait que c'était un rhinocéros. Et en fait, ben non, c'est un des doigts, une griffe de l'iguanodon. Voilà, on peut en rigoler maintenant, hein. On le voit d'ailleurs, hein, ça c'est le dessin de la reconstitution par Mantell de l'iguanodon. Bah vous voyez, il a mis voilà cette partie-là parce que bah Cuvier avait dit, et Owen aussi, oh là là, c'est du rhinocéros, voilà. Bon, alors on en rit maintenant, mais sachez que les reconstitutions que vous avez dans les livres à partir de quelques ossements, bah ce sont aussi des hypothèses, quoi. Et voilà. Voilà Owen, et voici maintenant Benjamin Hawkins, son ami. Voici le hangar où il construisait les maquettes. Et il en a fait un livre, et on voit dans ce livre les différentes maquettes en taille réelle. Alors, ceci bien sûr en proportion par rapport aux ossements qui avaient été trouvés. Voilà. Et Owen, pour fêter ça, revenons maintenant au niveau du dîner de 1853, de la Saint-Sylvestre. Eh ben, Owen, il se trouve où, Owen? Owen, il se trouve là. Alors, je vais le mettre en rouge, là. Voilà, hop, je vais le mettre en rouge. Il se trouve ici, Owen. Voilà. Et puis, son ami, celui qui fait les maquettes, lui, il se trouve ici, Hawkins, se trouve là. Par contre, bah, Cuvier n'est pas là. Hein, c'est français. Par contre, Mantell, lui, bah, Mantell ici, bah, lui, il n'était pas là parce qu'il s'est suicidé. Voilà. Il s'est suicidé un peu de désespoir parce que, comme je vous ai dit, Owen, c'était vraiment méchant. Et Owen s'étant trompé sur la détermination de l'iguanodon, eh bien, il n'a pas supporté et a maltraité Mantell, a piqué certains de ses travaux. Donc, bah, il a mal fini Mantell, malheureusement. Voilà pour l'histoire de ce dîner qui célébrait l'événement, l'apparition pour la première fois des dinosaures
par Richard Owen, qui a regroupé les trois espèces fossiles qui avaient été reptiles retrouvés. Alors, mon Fabrice. Ouais. Mon Fabrice, qu'est-ce que tu connaissais bien sûr cette histoire, je pense. Bah non. Justement, non. Moi, j'adore l'approche historique que tu développes régulièrement dans ces lives-là. Et encore une fois, Yves, est-ce que tu peux redonner un petit peu la documentation là ? Qui est-ce qui t'a donné encore plus envie d'en savoir sur l'histoire des sciences ? Vas-y, lâche le bouquin là. Ah, je sais plus comment je suis tombé là-dessus. Je suis désolé, Fabrice, recherches. C'est l'histoire de la géologie. T'as deux tomes en fait. Ah oui, j'ai bien sûr, j'ai deux tomes sur l'histoire de la géologie. Tout à fait. Voilà. Je vais faire intervenir Jean-François. Jean-François, connaissiez-vous cette histoire du dîner à l'iguanodon? Non, de 1853. Non, je ne connaissais pas l'histoire du dîner, ça non. Ah oui, d'accord. Bah, je vais demander à Thierry alors. Thierry. Non plus. Non plus. Je ne connaissais pas. Non. D'accord. Ah bah, je vais demander à Loulou alors. La petite voix. Toi, tu connaissais le dîner de con, c'est ça? Ah, Loulou. Pardon, tu m'avais déjà débriefé sur cette histoire de dîner. Tu m'avais bluffé d'ailleurs avec cette histoire de dîner. Je suis désolé, j'ai eu un petit souci technique. J'ai bugué, donc je n'ai pas pu t'assister là-dedans. Est-ce que tu as donné le menu au moins ? Qu'est-ce que c'était filmé ? Ah oui, c'était le menu. Attends, je reprends. Oh, c'est extraordinaire le menu. Alors, je vous dis ça. J'ai le menu. Bah oui, j'ai. Alors. Oh la vache. Alors. Départ, il y a de la soupe. Tortue julienne lièvre. Ensuite, il y avait du poisson. Cabillaud et sauce aux huîtres. Filet de merlan, turbo à l'hollandaise. Bon, on n'est qu'au début, hein. C'est l'apéritif là. Ensuite, on a de la dinde rôtie, du jambon, des tartes aux pigeons, le poulet bouilli et sauce au céleri. Bon, après, il y a les entrées, hein, parce que là, les entrées, c'est côtelette de moutonneau, c'est ça, curry de la prairie, salmi de perdrix, mayonnaise de filet de sole. Après, il y avait le gibier quand même, il y avait des faisans, des bécasses, des bécassines, bon, un peu de douceur quand même, des macédoines. Jelly, orange jelly, bavarois, charlotte russe, bon, et je vous en passe. Dans les desserts, il y avait des fruits. Et puis, il y avait des vins. Alors, sherry, du madère, du porto, du vin de Moselle. Et puis, du vin, alors, claret, je ne sais pas si c'est un vin français ou pas. Oui, c'est ça, vin de Moselle et de claret. Claret, tu connais qui connaît les vins de claret? Claret. Alors là, c'est C-L-A-R-E-T. D'accord. Enfin, en tout cas, la portée historique est géniale de ce truc-là. Et je trouve que ce qu'il y avait d'extraordinaire aussi, c'est cette mise en scène incroyable. Parce que faire une maquette, organiser un dîner, tu viens de balancer le menu, là, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et je trouve que c'est très beau. Là, il y a une belle portée. J'aime bien cette approche historique de ces phénomènes. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces maquettes, on peut encore les voir. Mais elles ne sont plus à Hyde Park. Elles sont au sud de Londres. Et je crois que j'ai encore une photo, je crois. Mais bon, je vais m'arrêter là. Et on va se... Ah oui, voilà, c'est ça. Allez, je vous la montre. Ouais, si je prends plutôt visionneuse, ouvrir avec la visionneuse. Voilà, et je vais grandir. Hop, c'est parti. Ici, je monte. Donc Yves, si on faisait le bilan de la soirée... Voilà. Ah ouais. Voilà. On retrouve encore... voilà. Hop là. Or bon, les reconstitutions sont quelquefois assez aléatoires, tout de même, mais on peut encore les voir. Je ne sais pas trop le parc. Voilà, nous allons nous quitter. Yves. Voilà alors. Oui, Yves. Oui. Bah, à quand le repas au bord du lac Pavin en faisant des tranchées dans les zones sismiques, tout en regardant un petit peu d'antimoine et en contemplant les archives de 1853. Oh là là, belle synthèse. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment magnifique. C'est le bon plan. Hein. Belle synthèse, oui.
Alors, dans la description de la vidéo, je mettrai bien sûr la conférence de Jean-François Ritz de 2016. Je mettrai également la référence du compte-rendu de l'Académie des sciences, dans la revue de l'Académie des sciences. Pour la Stibine, je mettrai le lien, bien sûr, du Manche-Caillou, du musée Manche-Caillou. Voilà, puis pour la petite voix, je mettrai le nom de la guitare basse que tu viens d'acheter, non? Elle est vieille. Bien, allez, un grand merci bonne à soirée, merci tout le monde. Vraiment. On a vraiment passé un super moment. À bientôt, les gens. Attends, je regarde juste s'il y a quelqu'un qui s'exprime. Ah, j'aimerais que ce live dure toute la nuit. Oh, bah, merci. Azouine, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. La taille des intestins des participants au dîner, c'est quoi ce maxi mélange? Demande Clarita. Ouais, Sylvain qui remercie tous les intervenants et au revoir. Eh bien, on les remercie aussi. Allez, à bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Salut, passez une bonne soirée.